STV, votre télé. Édition du dimanche 25 novembre 2018. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. La All Anglophone Conference n'a pas eu lieu le 21 ni le 22 novembre 2018 et pour cause, les organisateurs n'ont pas reçu l'autorisation des autorités compétentes. Deuxième report de cette grande assise, c'est à se demander si elle aura un jour lieu, d'autant plus que cette fois, aucune date officielle n'a été arrêtée. On reviendra également sur ce séminaire organisé pendant 3 jours à Yaoundé sur le blanchiment des capitaux. Quelle est l'ampleur du phénomène dans notre pays? Combien d'argent perd le Cameroun chaque année du fait de ces crimes économiques? Et pour sortir de cette émission, on parlera du projet de loi de finances 2019 soumis à l'approbation des parlementaires. Un projet qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 850 500 000 de francs CFA. Cette semaine, le Premier ministre, chef du gouvernement, est allé présenter au Parlement les grandes lignes du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2019. Un programme qui crée déjà la polémique. Des économistes parlent de l'accroissement de la pression fiscale. On en parle avec Denis Kobo, vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, c'est un plaisir réel d'être là une fois de plus ce dimanche parce qu'il y a urgence du débat. Avec vous, on parle de l'agression du surveillant général du lycée bilingue de Mayolo. La presse nous dit que cette agression a été perpétrée par le commandant de brigade de gendarmerie de cet arrondissement au motif que le surveillant général aurait puni sa fille. Avec vous, on commente justement la façon dont cet incident a dégénéré avec des élèves qui ont essayé de manifester devant cette brigade. Mais aujourd'hui, des enseignants qui entament une grève pour dénoncer cet acte qu'ils jugent barbare. Ce qu'il faut dire, c'est que nul n'a le droit de se rendre justice. Cela est valable pour un commandant de brigade, un simple gendarme ou tout élément des forces et de sécurité. Cela est également valable pour nous autres usagers, qu'on soit journaliste ou enseignant ou élève dans un lycée. Et lorsque l'état de droit a le dessus sur toute autre considération, on n'arrive pas à ces situations-là. Mais on peut penser que c'est un épiphénomène, mais ceux qui ont en charge la gestion de notre cité peuvent voir le niveau de colère qui est latent en beaucoup de citoyens. Et pour un oui ou un non, vous voyez directement que les choses se compliquent. On a eu à débattre, je crois qu'avec certains des acteurs ici, sur la violence à l'école, il y a eu avec Edouard, la dernière fois sur la pollution, il y avait des pollutions généralisées à Bafoussam. Et là, je crois que c'est bien qu'il soit là. Ce qui porte une société, c'est la politique. C'est la politique qui gère l'école, qui gère l'économie, qui gère tout. Et dès qu'on n'aura pas mis sur pied des structures avec des règles, des règlements, lorsqu'on n'aura pas réussi à faire que toutes les parties prenantes observent ces règles établies-là, nous serons dans une société sauvage. Donc, le surveillant général, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il a essayé d'administrer une correction à l'élève. De ce mais, qu'on lit dans mais, les journaux, le parent, ce n'était pas par le fouet, en tout cas. De ce qu'on ceux qui sont allés à l'école normale ont appris la pédagogie. Nous sommes enseignants. Et moi, si on pouvait se souvenir de ce qu'on a vécu comme élève, quelquefois, ça peut être difficile à subir. Lorsque vous avez, on a des parents d'enfants aussi, vous avez des enfants difficiles à la maison, difficiles parce qu'ils ont connu un enfant qui a été gravement malade, un enfant qui a pris toutes les économies de la famille. Lorsque vous apprenez que l'enseignant lui a administré une correction, c'est comme si le ciel vous tombait sur la tête.
C'est pour ça qu'on a... Point d'aller avec son épouse frapper sur l'enseignant devant les élèves. Il dit, on peut considérer que c'est un épiphénomène. La veille, ce gendarme n'avait pas l'intention d'aller taper sur un enseignant. Donc, les problèmes, moi, je suis revenu à quelque chose au départ. Dit que, il faut qu'il y ait l'état de droit, que ceux qui sont chargés d'éduquer nos enfants aient la responsabilité exclusive de poser certains actes parce que c'est eux qui ont la formation nécessaire, que ceux qui sont là pour assurer l'ordre public ne se croient pas au-dessus de la loi, parce que même si on avait infligé des sévices au fils du gendarme, étant donné qu'il y a prise d'intérêt, étant donné que l'affaire le concerne, il devait porter plainte régulièrement et surtout pas à la gendarmerie, pourquoi pas à la police. Il peut porter plainte contre cet ancien parce que sa responsabilité est engagée. Lorsque vous avez dépassé les limites des actes que vous pouvez poser dans le cadre de votre travail d'enseignant, vous êtes passible de poursuite devant les juridictions compétentes. Donc, il Merci faut. Et lorsque le gendarme aussi est venu éventuellement administrer des sévices au surveillant général, il ne revient pas à toute la meute d'aller ébrûler, incendier la brigade, d'aller attaquer son domicile. Ouais, que vous, ce que vous reprochez aux gendarmes, c'est ce que vous-même vous faites. Mais s'il faut seulement placer tout ça dans un contexte de crispation sociale, un contexte où les tensions peuvent naître de partout, à chacun de nous, en tant qu'adulte, en tant qu'officiel, de savoir qu'il y a des actes que nous pouvons poser, des actes qui peuvent rapidement aller au-delà du petit cadeau. Le commandant de brigade sait qu'on est à une période difficile pour l'histoire de notre pays. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même si on a raison, on peut, on ne doit pas, même si vous êtes, même si c'est votre fils. Nous, il y a des actes qu'on ne pose pas. Il y a des revendications que les gens auraient pu poser ici et là, mais qu'ils ne posent pas, justement pour ne pas rajouter à la tension sociale qui est latente dans notre pays. À côté de vous, on reçoit Edouard Fauchivet du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, Monsieur Fauchivet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir associés à ce débat. Avec le sportif que vous êtes, on parle de la Coupe du Cameroun. La date de la finale reste un mystère, plus de 2 mois après que les finalistes soient connus. Un commentaire peut-être? J'ai pas de commentaire, Léla. La Coupe du Cameroun ne s'est pas jouée, mais je vois beaucoup plus au niveau international. L'impact est grand. L'impact, d'abord parce que le secrétaire général de la CAF a signifié le retrait de la deuxième équipe du Cameroun aux compétitions africaines en termes de délai. Donc, on peut dire que vraiment il y a un problème. Comme venait de dire mon ami Denis, je crois que fonctionner avec une équipe de normalisation depuis pratiquement 5 ans devient un problème. Il faudrait donc revenir aux normes, c'est-à-dire un président de la fédération qui a pouvoir, qui peut, vous voyez que le président de la normalisation va se mettre devant le ministre pour peut-être L'enjeu, c'est, même si je vous vois venir, vous allez dire que c'est le sommet, on n'est pas obligé de faire une coupe du Cameroun avec le chef de l'État. On a souvent fait comme ça, justement. Voilà. Donc, c'est justement parce qu'on attend le chef de l'État que ça traîne. Je dis, on pouvait bien, si les explications étaient motivées par rapport à cette prévision de retrait, je crois que les équipes en charge auraient tenu informées, dont la hiérarchie politique, de cet impact, de cette négativité qu'on a eue. Nous organisons bientôt la Coupe des Nations et nous ne sommes pas présents au niveau des compétitions africaines. Il y a un problème. Voilà. Merci Edouard Fauchivet d'avoir accepté notre invitation. Célestin Djamène du MRC est également avec nous. Bonjour Célestin Djamène et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à tous les téléspectateurs de Stigio. C'est un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui une fois de plus. C'est un privilège que vous m'accordez. J'espère simplement qu'on sera des panélistes disciplinés, même si je suis convaincu qu'avec Fauchivet ce serait un peu compliqué. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Très bien. Avec vous, on parle de cette nouvelle stratégie du MRC. Au retour de votre président d'Addis Abeba, justement, beaucoup ont pensé que Maurice Kamto capitulait. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Absolument pas. Je crois que ceux qui le disent n'ont pas vraiment suivi le discours de Maurice Kamto le 19 novembre dernier à Daido. Moi, j'étais tout à côté. Il a commencé ça en son discours en disant que le combat ne fait que commencer. Et nous allons poursuivre ce combat dans la paix. La rue, hein? Non, non. Il a dit le combat ne fait que commencer. Oui, combat de rue. Pourquoi vous dites de rue? Et d'offre, ne prêtez pas vos mots. Il a dit le combat ne fait que commencer.
nous allons poursuivre ce combat dans la paix. Il a dit que certaines personnes souhaitaient que le MRC aille aux élections municipales législatives. Elle dit oui, on va y aller. Mais il rajoute en disant que n'oubliez jamais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pourquoi y aller dans ce cas ? Mais on y va parce qu'il est hors de question qu'on boycotte au MRC les élections. Il n'a jamais été question d'élections boycottées au MRC. D'ailleurs, de toute façon, vous avez vu lors des dernières élections présidentielles, heureusement qu'on y a été. Les Camerounais ont beaucoup appris. On a mis à nu le système de triche, de fraude congénitale quasiment du RDPC. Tout le monde l'a vu, grâce au MRC et grâce au président Kamto. Maintenant, on va y aller. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on renonce au combat qui est le nôtre maintenant. Nous continuons à penser que les élections du 7 octobre sont passées. Ça a eu lieu. Il y a eu un président proclamé vainqueur et un président légitime. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont écouté le discours de Daido ont bien suivi qu'à la fin, Kamto a dit « Gardez confiance, restez mobilisés. Restez mobilisés. » Ça veut donc dire qu'il n'a rien retiré au combat qui est le sien, c'est-à-dire que la phase 2 du plan national de résistance, qui continue donc. Il est parti à Addis Abeba, vous l'avez rappelé. Il a dit qu'il ferait une déclaration solennelle d'ici quelques jours. On attend ce qu'il dira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un plan de résistance qui est sur place. Et désormais, vous déposez justement les demandes, pas de déclaration, mais d'autorisation. Oui, parce qu'en vérité, il faut bien comprendre l'esprit du discours de M. Kamto, parce qu'en vérité, on sait très bien qu'il n'a jamais été question que Kamto soit un anarchiste. On a toujours suivi la procédure légale. C'est-à-dire qu'on est parti toujours dans la sous-préfecture déclarer nos manifestations. Bon, évidemment, à force de voir les administrateurs civils transformer la loi de 90 en autorisation, parce qu'il s'agit bien d'un système de déclaration, évidemment, le mot revient souvent, mais je dis dans l'esprit de ce qu'il voulait dire, il voulait dire qu'effectivement, il faut déclarer les manifestations. C'est ce qu'on a toujours fait. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien qu'il les refuse systématiquement, sauf si on vient chanter les louanges de Chantal et de Paul. Évidemment, dans ce qui nous concerne, on a toujours vu les refus systématiques de manifestation. Bon, on a vu le cas à Bouda où le sous-préfet, dimanche dernier, d'ailleurs il y a une semaine, a accordé un récépissé parce qu'il était question d'installer un de nos départementaux. Mais c'est pour ça qu'il a donné l'autorisation, entre guillemets, en fait, de récépissé. Mais en vérité, quand on déclare une marche, une manifestation, il refuse systématiquement. Donc on ne peut pas continuer à agir comme ça. Le procès Kamto s'est inscrit, il s'est toujours inscrit dans la légalité républicaine. Ça veut dire qu'on a toujours respecté les institutions de la République. Il est hors de question qu'on change aujourd'hui. Sauf que il dit que il croit, et nous avec, au changement dans les urnes et dans la paix. Merci Célestin Djamène d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons le docteur Pierre Alaka Alaka. Il est fiscaliste. Bonjour docteur et merci d'être avec nous ce dimanche. Et bonjour Leïla. Merci de m'avoir également associé à côté de ces prestigieuses personnalités pour commenter l'actualité que vous souhaiterez bien qu'on commente. J'espère que ce serait cool que le RDPC, représenté ici par mon ami Edouard, ne bénéficie pas de sa position dominante pour écraser la deuxième force, le MRC, et que le débat, qui sera certainement arbitré par Denis, sera un très bon débat parce que vous vous coordonnez. Et vous, votre rôle, ce sera quoi finalement? Je vais regarder. Vous allez regarder. Il sera le rôle. Donc, docteur Pierre Alaka, avec vous, on parle de cette conférence de presse organisée à Yaoundé par le secrétaire général du SDF. Le parti de la balance a demandé pardon à ses électeurs pour sa mauvaise prestation le 7 octobre. Et ce parti envisage de mieux faire lors des prochaines échéances électorales. Remobilisation des troupes. Quelles sont selon vous les chances du SDF aux prochaines élections, les législatives et les municipales qui arrivent? Je suis toujours très mal à l'aise sur les questions politiques. J'ai très très mal à l'aise. Mais moi je crois que si le SDF a demandé pardon à ses militants, c'est simplement parce que certainement il regrette d'avoir mis le mauvais candidat. Parce que ce que les gens disent au quartier, c'est que Mbandam aurait peut-être mieux fait que Oshi. Qui est également valeureux. Mais bon, je ne sais pas, donc je retire ce que j'ai dit. Moi, je pense que le rôle d'un parti politique, c'est de chercher le pouvoir.
Et quand on veut chercher le pouvoir, on met tous les moyens, on met la bonne personne et on mobilise ses troupes pour que les choses se passent dans le bon sens. J'espère, je souhaite bon vent au SDF, mais pour l'instant, je crois que la deuxième force politique, c'est le MRC. Donc, ils auront fort à faire, parce que le MRC, lui, dame déjà constamment le pion. Et c'est pour ça que je vois Edouard qui a peur du MRC. C'est la première force politique. De l'extérieur, Edouard Fauchivé, de l'extérieur, pensez-vous que le MRC soit suffisamment implanté dans les communes, dans les départements pour battre le STF lors des législatives et les municipales qui arrivent? Nous commençons par votre question. Demander pardon n'existe pas en politique. Bon, je crois que le docteur n'étant pas un acteur politique, on ne demande pas pardon en politique. On constate et on cherche des actions correctives pour revenir. Maintenant, et c'est pour ça que vous n'aviez pas besoin de retirer ce que vous avez dit, prof, parce que si c'était le candidat qui était mal choisi, il faudrait donc qu'ils disent carrément aux militants, voici ce qui s'est passé et nous pensons revenir maintenant au niveau de la base afin de repartir. Quant à la deuxième force politique, je souhaite beaucoup de courage au MRC pour venir dans ce champ politique, mais j'ai peur de cette implantation virtuelle. Vous savez, si on prend aujourd'hui la cartographie politique du Cameroun, à ce jour, c'est le RDPC et le SDF qui représentent la base politique. Et l'enjeu d'une présidentielle, c'est un non-face au peuple. C'est terminé. Mais maintenant, l'élection de proximité, la consultation des législatives et municipales, c'est ceux qui sont au niveau de la base. Et chacun défend son élection. Donc aujourd'hui, par exemple, nous allons, dans le cadre de Doha deuxième, défendre notre élection au niveau de la commune et de la place du député que nous avons. Donc nous serons vigilants pour gagner. Le MRC viendra, et il faut déjà dire ici, ouvertement, que à Douala deuxième, ça serait un choix parce qu'ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, quand on voit la base aujourd'hui électorale, c'est encore le SDF, le RDPC, le SDF. Et je vous surprendrai un peu de l'UDC à Douala 2. Donc, tant que la force nouvelle ne pourra pas coaliser avec les autres, j'ai peur que nous retrouvons encore au niveau des élections de proximité la même configuration. Allez-y, Denis Cobon. Non, je voulais juste effectivement dire qu'il y a eu des signaux avec l'élection présidentielle, mais sur le plan politique, la principale force politique de l'opposition aujourd'hui, la présidente aujourd'hui, c'est le SDF. Et cette position ne date pas de 2018. C'est une position qui date de l'élection, la dernière élection. 2013. L'élection du 30 septembre. Oui, du 30 septembre. Donc, on dit que cette position, ils l'ont acquise en 2013. Il reste maintenant à voir en 2018, en 2019, ce qu'il lancera. Donc l'élection présidentielle ne dessine pas, ne redessine pas la cartographie de base. Mais il y a des signaux qu'on peut dire que si chacun peut. Si aujourd'hui on va à l'Assemblée nationale, la principale force de l'opposition parlementaire, c'est SDF, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, la principale force dans les mairies, après le RDPC, c'est le SDF. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en octobre 2018, on peut seulement se projeter sur 2019 au sens de l'analyse politique. Ça n'a rien à voir avec le score de chaque candidat, de chaque parti. Parce que si le SDF est là, il faut revenir sur les excuses du SDF. Je crois que c'est une sortie très maladroite. Ça traduit même un peu une débandade politique pour un parti qui sait pourquoi il a investi le mauvais candidat, parce qu'on n'investit pas un candidat par hasard. On a investi le mauvais candidat volontairement. Il faut qu'on le dise, il faut commencer un peu à dire la vérité en politique. Volontairement, le SDF a décidé de faire une passe
C'est-à-dire que quand vous décidez de ne pas d'encaisser volontairement un but dans un match, on sait que c'est une passe. C'est-à-dire que c'était une position arrangée. Aujourd'hui, sorti de cette élection, il fallait venir. D'abord, on sait, par exemple, je suis à quel électeur. Ces électeurs-là sont ailleurs. Ils sont allés voter notamment le MRC. Donc, vous ne devez pas aller reconquérir ceux qui sont allés ailleurs parce que il y a un transfert du SDFK sur le plateau. Il ne vous l'a pas dit. C'est-à-dire que Zafi Diamène était... Non, il dit transfuge. Transfuge. Il n'est plus du SDF. Donc, il est élu. Il a un mandat local. Le SDF devait commencer par voir que il y a un autre député qui a démissionné il y a quelques toujours jours. Donc, ça, c'est si on, tout à l'heure, on parlait du principal parti de l'opposition parlementaire, mais il faut lire des signes, c'est-à-dire que, et des conseils municipaux qui décampent pour soit le RDPC ou le MRC, et les députés qui décampent, ça devrait interpeller ce parti-là qui ne l'a pas fait, qui est venu venir présenter les excuses pour l'élection d'octobre, alors qu'il faut dire aux militants pourquoi est-ce que tout le monde s'en va. Célestin Diamène. Tout d'abord, je voudrais dire à Denis qu'il y a deux députés qui ont démissionné, dont un, Oscar Edimo de Douala 4, qui a rallié le RDPC d'ailleurs, dont l'hémorragie continue au sein de ce parti. Alors, tout à l'heure, quand j'écoutais mon ami Fauchivet, j'étais partagé entre le fou rire et la tristesse. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, heureusement que Denis a corrigé, les résultats dont il fait allusion, c'est les résultats de 2013. Il y a une donnée, entre-temps, qui s'est constatée, c'est l'élection présidentielle, qui était une élection au suffrage universel direct, au même titre que l'élection législative. La seule différence, c'est que dans un cas, on a une élection uninominale, qui porte sur un homme, un candidat ou une femme, et d'autre part, il y a une élection de liste, scrutin de liste. C'est la seule différence. Les Camerounais, quand ils donnent un mandat, quand ils s'expriment, ils s'expriment par le même canal. Le sentiment qu'il faut rejeter un système ou l'accepter. Donc il n'y a aucune différence de fond entre l'élection présidentielle et l'élection de liste. Il n'y a aucune différence. Donc aujourd'hui, il y a une donnée qui s'est avérée le 7 octobre. On voit très bien que si on retire au RDPC les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, ce n'est pas un parti qui peut rivaliser avec le MRC, qui est implanté dans 340 communes sur 360. Donc, en termes d'implantation nationale, c'est une évidence, on est implanté. Donc, mieux même que le SDF. On est, évidemment, dans la dirigeance. Donc, en vérité, en termes de force populaire, en termes de légitimité, le MRC, aujourd'hui, mis de côté les résultats préfabriqués de M. Clément Tangana, le MRC est la première force politique du Cameroun. Vous savez très bien que le procès Kamto, au lendemain des élections présidentielles, a déclaré le 8 octobre qu'il était le président légitime des Camerounais. Il n'a jamais renoncé à cela. On a lancé un plan national de résistance qui est en vigueur. Ce que je veux dire, c'est que... Pour terminer. Oui, pour terminer, il faut rappeler une chose qui me semble extrêmement importante. On me dit que le SDF et le RDPC constituent la base politique du Cameroun. Ça ne veut rien dire du tout. On sait bien qu'aujourd'hui, les partis naissent, vivent et meurent. À l'époque, l'UPC était un grand parti, la vraie UPC de l'époque. Aujourd'hui, elle n'est plus malheureusement que l'ombre d'elle-même. Le SDF est venu dans les années 90 pour, en quelque sorte, effacer l'UPC, la vraie UPC de l'époque. Aujourd'hui, la MRC est là. Le SDF a fait son temps. C'est un parti qui a marqué l'histoire de notre pays. Ça, c'est vrai, il ne faut pas le renier, il ne faut pas cracher sur ce parti, qui a été, quelque part, un moteur du multipartisme au Cameroun. On attend encore l'avènement de la démocratie, c'est vrai, mais on ne peut pas insulter aujourd'hui le SDF. Il a marqué une période de l'histoire. Comme aujourd'hui, depuis 6 ans, le MRC marque l'histoire du Cameroun, et en termes de popularité et de force légitime, on ne peut pas dire que le MRC, c'est la deuxième force, c'est la première force légitime du Cameroun. Merci Célestin Diamène. Juste en quelques secondes, Vous êtes implanté dans 340, vous dites, vous étiez incapable de présenter un procès verbal des différentes... Alors, vous voulez engager la discussion sur le PV... Merci Célestin Diamène. On ne refait plus ce débat. C'est une tarte à la crème. Prévu à Boya les 21 et 22 novembre, la All Anglophone Conference n'aura finalement pas eu lieu et pour cause, les organisateurs n'ont pas reçu d'autorisation. Autre report, Édouard Fauchivet, et que vous inspire cet autre report? Mais ce report montre à suffisance que l'État
dirige, la force, il faut dire à haute voix, on dit que la force régalienne revient donc à l'État parce que jusqu'à aujourd'hui, comme moi, nous doutons de la sincérité de ce qui devrait se passer d'un côté au niveau de l'État et de l'autre, les concernés ne sont pas d'accord avec l'équipe qui va diriger, puisque nous avons tous vu que le Mounzou a démissionné en disant qu'il est complètement attaqué. Il fallait qu'il dise la vérité. On ne peut pas aujourd'hui avec dire qu'on viendra lui partir. C'est parce que la pression était si forte que lui-même a compris que les résultats recherchés ne seront pas atteints. Et comme d'habitude, lors de cette rencontre qui devait être un socle important dans le cadre de ce pont par rapport au dialogue que nous avons tous souhaité, le problème aujourd'hui, c'est que la forme de l'État revient. On demande, mais en cachette, que le plat de résistance soit la forme de l'État. Et je dis à haute voix aujourd'hui, en tant que Camerounais, la forme de l'État ne se négocie pas dans une chambre. La forme de l'État, c'est une constitution, et s'il faut revoir la forme de l'État, ça suppose que le document phare qui nous soutient tous, la constitution, doit être changé. Donc ce n'est pas un corpuscule. Ce sont les Camerounais qui doivent s'asseoir. Et lesquels Camerounais? Ceux qui sont élus. D'abord, c'est-à-dire les députés, on peut aller jusqu'aux sénateurs, etc. Tant que ce n'est pas cette discussion n'est pas bien cadrée, on va se retrouver toujours dans la notion de la forme de l'État. Y a-t-il des chances qu'elle ait lieu un jour, cette conférence générale des anglophones de Nicoebo? Je ne vais pas vous décevoir ou dire des choses qui vont fâcher. Mais je dis qu'il n'y a jamais eu de conférence prévue à Bouya. En dehors d'une conférence de presse où on a annoncé une date pour ces élections, nous pouvons aujourd'hui apporter tous les éléments pour dire qu'il n'y a jamais eu de conférence prévue à Bouya. Quels sont ces éléments-là, Denis Kobo? J'ai dû nous attaquer en vous posant la question à vous, journaliste, qui est allé à la conférence de presse d'annonce et à la conférence de presse qui dit qu'elle ne s'est pas tenue parce qu'il n'y a pas d'autorisation. En dehors de la date, est-ce que vous pouvez me montrer une banderole qui a été faite quelque part, n'importe où, annonçant une conférence? Deux, est-ce que vous pouvez me montrer un coupon d'invitation quelconque adressé à un invité quelconque à une conférence à Bouya? Rien. Donc, je crois qu'il faut arrêter, de jouer comme ça. Lorsque le RDPC organise le cafouillage national, c'est comme ça qu'on appelle ça. Lorsque le pays n'est pas transparent, il n'y a plus de lisibilité sur rien. Des choses comme cette conférence peuvent prospérer parce que nous sommes ici en pleine opacité. La conférence a été organisée par qui pour se tenir en dehors de ceux qui sont présentés à la table de la conférence de presse? Qui était invité? Il devait venir comment? C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui ont pris des armes au nord et au sud-est qui s'attaquent à l'État. Est-ce que ces gens sont invités à la conférence? S'ils étaient invités à la conférence, comment est-ce que les organisateurs se sont organisés pour qu'il y ait une passerelle permettant leur arrivée à Bouya? Il faut laisser l'affaire de l'autorisation. L'autorisation, c'est rien du tout par rapport au Cameroun. S'il y a nécessité de résoudre un problème camerounais, on n'a pas besoin d'une autorisation, même de Paul Biya ou du sous-préfet. Si le but visé par ceux qui veulent la conférence, c'est d'organiser, de faire en sorte que la paix intervienne, on peut sortir les invitations, les distribuer et mettre le pouvoir au mur. Parce que si tout le monde est invité, Si les invités sont connus, l'État ne va pas se taper le luxe de ne pas autoriser parce que tout le monde verra que c'est en réalité eux qui refusent que ces parties prenantes là viennent discuter des problèmes. Donc on ne peut pas inviter. Ça ne se passe qu'au Cameroun où personne n'a peur de Dieu. Dans aucun pays au monde, on peut inviter les journalistes pour leur dire « Nous avons une conférence tel jour à Bouya. » Le jour de la veille de la conférence, on vous appelle pour vous dire « On a la veille. » On ne vous a pas dit 4 jours, on dit la veille. On dit il n'y a pas conférence demain. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas donné. Et dans les mêmes personnes disent, ce n'est pas l'État qui... L'État ne nous a pas interdit. Si vous n'avez pas de... Vous avez déposé une déclaration de manifestation. Je ne sais pas si c'est une manifestation. Vous avez dit une réunion. Alors si c'est une réunion publique,
Vous avez déposé la déclaration de rien plus. On vous... Je ne sais pas si vous avez copié. Sauf qu'ils ont posé des préalables également, entre autres que les prisonniers, que les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise soient relâchées. Je crois que les gens doivent passer de leur rôle qui n'est pas le leur dans un pays. Voilà. Ils ont déposé la déclaration à qui? Voilà. Je dis que, en tant que citoyen camerounais, si vous êtes homme de Dieu, vous êtes membre d'un parti politique, vous pouvez prendre une initiative politique. Vous n'avez pas besoin de conditions. On dit, voici ce que nous proposons pour sortir le pays de l'impasse. Et vous faites votre part. Si, et libre aux autres. Libre, je vous ai posé une question à l'heure de savoir si, est-ce qu'on a négocié un cessez-le-feu? Comment est-ce qu'on pouvait tenir la All Anglophone Conference sans cessez-le-feu? Il doit y avoir. Pourquoi on n'a pas posé la condition qui est un cessez-le-feu? C'est-à-dire que ce jour-là, personne ne tire sur l'autre, que l'armée ne tire pas un seul coup de feu, que les sessionnistes ne tirent pas un coup de feu pour donner place au moins ce jour ou deux jours à ce dialogue-là. Il y avait, pour ceux qui suivent l'actualité, il y avait un ultimatum des sessionnistes qui déclarait 5 jours d'inactivité dans les régions du nord, de ce sud-est, pour empêcher éventuellement cette conférence de se tenir. Mais ceux qui sont réunis ici à Douala n'ont jamais dit qu'ils avaient reçu l'ultimatum. Pourtant, vous êtes au courant. Ce qui me choque, c'est que, et moi, j'ai tous même les reporters qui sont ici, je leur ai dit, j'ai demandé aux reporters du jour qui étaient là, de poser la question de savoir, un, est-ce qu'on a la liste des invités? Deux, est-ce qu'on a est-ce qu'on a une copie des invitations? Deux, est-ce que vous avez la copie de la demande de manifestation? S'il y a des préalables, ça veut donc dire qu'on n'a pas déclaré la manifestation. C'est que si vous avez dit, voici ce qu'il faut pour qu'on déclare la manifestation. Ne dites donc pas qu'on n'a pas autorisé. Un, l'autorisation n'existait pas. Il y a une déclaration de manifestation qui indique le lieu et l'heure. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que nous, parce qu'il faut, ou on ne peut pas commenter quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que moi, journaliste, si on m'interpelle dans la rue pour me demander si je sais dans quel lieu, dans quelle salle cette conférence doit se tenir, je ne peux pas dire. On va dire, mais nous, on discute sur quelle base? Le pouvoir et les organisateurs de cette All Anglophone Conference sont dans un jeu. Il dit bien le pouvoir du RDPC et l'organisateur principal et les autres sont dans un jeu. Je crois qu'ils ont voulu capter l'opinion à un moment donné. Sinon, il ne s'agit pas d'une affaire entre 3 personnes. Le Cameroun est paralysé au nord et au sud-ouest. Il y a des acteurs connus. Je crois que c'est une affaire suffisamment grande pour que ce soit le MRC ou le SDF ou le candidat Toumi ou le RDPC ou Pobia lui-même seul décider de ce qu'on va faire. Il est question aujourd'hui que ceux qui aiment le Cameroun et tous les Camerounais, je crois que aiment leur pays, il faut qu'ensemble on décide de ce qui va se passer. Ce n'est pas, il ne revient pas à une personne. Je dis même pas, il ne revient même pas au président de la République. Juste pour savoir, le comité religieux n'avait pas, selon vous, la légitimité pour convoquer cette assise. Le comité religieux, c'est des Camerounais. Donc chaque Camerounais a le droit d'initiative. Mais lorsqu'on prend une initiative dans un pays comme celui-ci, on identifie les acteurs. Je vous ai posé une seule question. Au-delà de ça, parce qu'on est en train d'extrapoler. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on fasse une telle conférence? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui est à Kumbo, que quelqu'un qui est à Kembo, que quelqu'un qui est à Yumojok ou celui qui est à Kwaya vienne à une conférence à Boya sans être inquiété par personne? Mais c'est laissé jamais. Sur la voix. Un simple coup de bluff, Je suis d'accord sur la première partie de l'exposé de Denis, parce qu'en vérité, il a raison de relever la subtilité, la nuance qu'il peut y avoir entre la déclaration physique de manifestation ou d'une réunion publique et la conférence de presse. Parce qu'en réalité, c'est vrai que M. Toumi et les autres se sont rassemblés le 20 mardi. La conférence, ici, pour l'Anglophone Conférence, est prévue le mercredi et le jeudi d'après. Donc en vérité, c'est vrai qu'à ce niveau-là, journaliste, vous êtes censé avoir vu les documents officiels qu'on requiert, en général, quand on lance une telle conférence, aussi importante que celle-là. Mais néanmoins, je pense que si le cardinal Toumi et ses amis se sont rassemblés la veille, c'est parce qu'il y a certainement dû avoir des pressions de couloir. Parce que c'est une question hautement politique. Même si c'est organisé par les religieux, les musulmans et les catholiques, les protestants aussi, me semble-t-il, c'est une question néanmoins hautement politique. Rappelez-vous qu'il y a eu un premier report au mois d'août, quand même. Et lors de ce premier report, il y a eu une date qui avait été précisée. On a dit qu'il y avait la présidentielle, il y avait la pré-campagne, il y avait la campagne. Oh, c'est une raison qui était valable, qui était compréhensible. Aujourd'hui, subitement, on nous apprend que pas maintenant. Enfin, le gouvernement, à travers ses préfets et ses sous-préfets, disent que pas maintenant.
Donc je pense que logiquement, quand on déclarait, c'est au moins 72 heures avant. Si M. Toumi ne l'a pas fait, c'est sûrement parce qu'il a dû recevoir des pressions. Parce que cette conférence, All Anglophone Conference, que beaucoup ont critiqué, parce qu'en réalité, ça ne devrait rassembler que les anglophones d'abord, dans un premier temps. Donc beaucoup l'ont critiqué. Dont le président de la République, à travers son ministre et le porte-parole de la communication, a dit que ce n'était pas nécessaire. Donc maintenant, le motif qui est avancé pour ce deuxième report, que je considère comme une annulation, rassurez-vous, il n'y aura plus de conférence ici, au Cameroun. Parce qu'on parle de report, c'est une annulation pure et simple. Mais la question que je me pose, pourquoi, quel est l'élément rationnel qui permet d'annuler cette conférence? Parce que le président Biya, à l'époque déjà, n'a pas cru devoir sa partie concernée dans la zone anglophone pour ne serait-ce que écouter les gens qui étaient frustrés. Jamais de la vie. Donc, il aurait pu dialoguer à ce moment-là. Parce que, rappelez-vous, quand un chef d'État se déplace, ça crée, comme vous le vouliez ou non, un événement. Un événement. Au même moment, il allait à New York, à Abidjan et à Genève. Tout le monde l'a vu. Alors, pourquoi ne trouvait-il pas nécessaire d'aller dans la zone anglophone, dans son propre pays? Donc, c'est assez inquiétant. Maintenant, Christian Toumi et les autres ont cru devoir, parce que les religieux, dans d'autres pays, en Amérique latine précisément, se mêlent de la politique. L'Église doit toujours être du côté des plus faibles. L'Église est engagée dans la société. La politique fait partie de la société. Donc on ne peut pas reprocher à l'Église de ne pas être dans son couloir. Ce sont les citoyens, Denis l'a rappelé, comme les autres. Donc ils ont le droit de s'intéresser à la politique. En tout cas, on sait très bien que M. Toumi et M. Kleda, ce sont les prélats qui sont extrêmement sensibles à la question sociétale, à la question politique. Donc c'est en... ils veulent la paix. Ils veulent la vraie paix comme tout le monde. Donc si le gouvernement ne peut pas, ne veut pas, il faut bien que les citoyens prennent des initiatives. Mais pourquoi le gouvernement bloque-t-il les initiatives prises par le candidat Toumi? Est-ce que le gouvernement veut la paix? On a vu lors des dernières élections que dans une zone anglophone, pour ne pas la citer, où le président Biya était le véritable pompier, le véritable pyromane, il a fait 85% de voix. Comment est-ce possible? Donc, en vérité, il a intérêt au pourrissement, au chaos. Parce que on ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui, les citoyens prennent l'initiative et ils bloquent l'initiative. Pourquoi le candidat Toumi n'est pas au nom de ce... Docteur Malaka. Pourquoi il fait communiquer Célestin Diamen, Denis Kwebo, Denis Kwebo, Célestin Diamen, Denis Kwebo et Edouard Fauchivé. Le docteur Malaka a la parole. Pas dans son village. Il était menacé comme Simon. Edouard Fauchivé, Célestin Diamen. Le docteur Malaka a la parole. Merci, Leïla. Vous savez qu'ici, il y a le RDPC. Il y a le MRC, il y a certainement d'autres partis politiques. Peut-être que vous êtes capitaliste, je ne sais pas. C'est une information. Non. On m'a déjà taxé de tout sur ce parti. Ça va. Ok. Donc, moi, j'ai mon parti politique aussi. C'est le Cameroun. Et dans ce parti politique, nous avons notre devise, c'est la paix, le travail et la patrie. Pour moi, toute initiative qui peut concourir à la paix est le bienvenu. Parce que un pays qui n'a pas de paix n'est plus un pays. Parce qu'on ne contrôle plus rien. Même ceux qui sont physiquement présentés comme les hommes du pouvoir, ils n'ont plus la plénitude de ce pouvoir. Dans la mesure où vous ne pouvez plus donner un ordre qui passe, vous donnez un ordre, au lieu que les gens exécutent l'ordre, vous recevez un coup de feu. Dans un État, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que la paix doit être recherchée par tous les moyens. Si nous nous mettons tous dans mon parti politique, le Cameroun, pour dire notre devise, c'est la paix, lorsque je dois poser un acte, lorsque je dois m'ouvrir ma bouche pour dire quelque chose, est-ce que je concours à la paix? Lorsque je dois signer un acte, ou je refuse une manifestation, ou je signe un acte, est-ce que cette signature va concourir à la paix ou au désordre? Ce n'est que lorsque je réponds à la question, l'acte que je pose concourt à la paix, que je dois poser cet acte. Parce que la paix, lorsqu'on a la paix dans le travail, je le répète, la paix dans le travail. Et de la même manière, lorsque ceux qui nous dirigent doivent poser un acte contre un individu, un Camerounais, qui se pose toujours la question, est-ce que la promotion de cette personne que je veux bloquer, est-ce que ce n'est pas contre le Cameroun, c'est-à-dire contre notre propre devise que nous nous sommes donnée, qui est constitutionnelle. Lorsque tout le monde aura le travail, la patrie s'en trouvera renforcée et grandie et sera présente au concert de l'universel.
C'est pour ça que ceux qui ont choisi l'appel au travail et la patrie pour notre, pour mon parti politique, le Cameroun, ne s'étaient pas trompés. Nous devons donc faire des efforts. C'est pour ça que je demande aux autres partis là de quitter leur parti pour venir au parti du Cameroun. Vous verrez que si tout le monde le fait, chacun là où il est, il n'y aura plus de va-t-en-guerre. Il n'y aura plus de part et d'autre. Il n'y aura plus de va-t-en-guerre. Pourquoi? Parce que mon parti, le Cameroun, a un drapeau vert ou jaune avec une seule étoile. Personne n'aurait plus la prétention d'en rajouter une autre. C'est ça qui est important aujourd'hui. Si nous tous, nous avons ça à l'idée, c'est-à-dire nous respectons la constitution de mon parti, le Cameroun, vous verrez que cette affaire anglophone, on va s'asseoir sur la table très rapidement, on va régler. Parce qu'un enfant dans la maison, lorsqu'il fait une faute, vous le tapez. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous le rappelez, vous le calmez. Et vous lui demandez, mais en fait, pourquoi vous avez fait cette faute? Il va vous dire, j'ai fait cette faute parce que... Et à partir de ce moment-là, vous allez vous dire, ok, j'avais tort de te taper mon fils. J'avais raison de te taper mon fils, mais mettons-nous d'accord, ça ne doit plus se répéter. L'enfant lui-même saura qu'il a eu tort de poser cet acte. L'enfant lui-même. Et il ne fera plus cet acte. Mais si tu l'obliges à ne plus faire cet acte à force du fouet, tout le temps, soit il part, soit il va toujours faire ça s'il est têtu, soit alors il va se tasser en attendant le bon moment où tu seras distrait pour refaire au quintuple. C'est pour ça que toute initiative, la Hall Conference, vous avez appelé ça quoi? L'anglophone conference. La Hall Conference, le déplacement du chef de l'État au nord-ouest et au sud-ouest, d'autres initiatives qui ont été évoquées ici, doivent être entreprises. On ne doit lésiner sur aucune initiative pour que mon parti redevienne en paix. En quelques mots, Denis, vous savez, là, comme le docteur Lacan disait, notre pays est en guerre. Et si nous prenons les affaires par les bouts, c'est-à-dire que si on prend l'anglophone conference comme la prise à travers les conférences de presse, ça n'ajoute, ça n'aide en rien la situation de notre pays aujourd'hui. Au moment où nous parlons, certainement un enfant est mort, un adulte, un vieillard est mort au nord-est, au sud-ouest, un militaire est tombé certainement sur le front. Oui, est-ce que tout ce que nous disons, est-ce que tout ce que nous faisons concourt à stopper cet état de choses dans un camp comme dans l'autre pour l'instant? Je crois qu'on avait eu une discussion ici, et avec votre permission et celle des autres panélistes. Si je ne suis pas sur le bon chemin, ils peuvent recadrer. Lorsqu'on a une situation de guerre, ne cherchons pas qui a commencé la guerre, qui n'a pas commencé la guerre. Une situation de guerre où il y a deux feux. Il y a deux feux aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Si ce n'est pas une balle qui sort de l'arme d'un militaire, il y aura une balle qui sort de l'arme d'un sécessionniste. Donc, il y a deux camps. J'aurais pu demander que dans cette guerre où il y a un État et où il y a un groupe irrédentiste, où se situent les autres citoyens? Est-ce que les citoyens disent que c'est l'État qui lutte avec les sécessionnistes et eux, les citoyens, ils ne sont nulle part? Est-ce que les citoyens prennent corps avec l'État si tel est que l'État joue de toute la légitimité nécessaire? Ça, c'est, je peux laisser ces questions-là. Mais lorsque on a fait quelques cours sur la négociation, sur la médiation, on sait qu'il existe uniquement les offres de médiation. Il n'existe aucune offre de médiation dans le monde où je viens, c'est-à-dire où le médiateur pose une condition quelconque. Le médiateur s'offre comme médiateur. Voilà tout ce qu'il déclare. Et les deux parties, les belligérants, manifestent leur acceptation ou leur rejet. C'est ce qui va permettre d'avoir une législation. Aujourd'hui, on ne sait pas qui joue à quoi. Il faut que l'État du Cameroun dise, ok, nous acceptons que l'Église catholique ou que l'Église et les religieux fassent la médiation. Si le principe est acquis, il faut qu'on pose la question aux Belges. Est-ce que l'État du Cameroun est prêt à accepter le clergé et les religieux comme médiateurs? Oui. Est-ce que ceux qui ont pris les armes, ce n'est pas les anglophones qui ont pris les armes. Tous les anglophones sont en train de mourir, oui.
Mais ce n'est pas les anglophones. Si vous allez à Kumbo, tout le monde n'a pas une arme en main pour tirer sur les militaires. Il y en a qui tirent sur les militaires. Donc, on ne peut pas dire que c'est tous les anglophones qui doivent venir, comme si celui qui a tiré sur un militaire est le représentant de celui qui va tranquillement à ses occupations en Banga ou en Consamba. Donc, c'est celui qui a l'arme en main. Parce que c'était le dialogue politique. Ici, il y a le MRC. Moi, je suis militant du MDM. Il y a le RDPC. Il y a un militant du Cameroun qui est là. Mais nous, on n'a jamais bagarré entre nous, Célestin. Parce que on est sur les débats politiques. Donc, lorsque quelqu'un a une arme en main, il fallait donc que les sécessionnistes disent « Nous acceptons la médiation des religieux. » À ce moment-là, les forces qui peuvent contribuer devront dire « Ok, mettons en opérationnalisons la médiation. » Il faut, je parle tout à l'heure, de cesser le feu. On ne peut jamais faire une médiation sans cesser le feu parce qu'il n'y a pas la possibilité pour les acteurs de se retrouver, ne serait-ce que sur un plateau de télévision. Et comme donc, faut il faut quand même qu'il faut aller méticuleusement dans cette affaire pour que les Camerounais comprennent où on va, pour qu'on ne dise pas que tel a tel position ou tel a tel position. Merci, Denis Kouébou. Denis a dit presque ce que je voulais apporter comme précision, mais je vais aller en profondeur de la négociation. Parce que ça fait partie de ce que nous faisons. Négocier suppose un axe communicationnel. Et donc, vous ne pouvez pas négocier s'il n'y a pas d'information et retour d'information. C'est pour ça, tout à l'heure, nous avons dit, si vous avez suivi, lorsque mon ami Djamène a parlé tout à l'heure, et Kouébou et moi, nous avons dit, mais qu'il parte chez lui. Parce que si vous voulez négocier, ça suppose que comme il vient de dire, vous avez discuté avec la partie A. La partie A vous a donné ses exigences. Vous êtes venu voir la partie B. Et vous avez maintenant le côté axe d'information pour pouvoir négocier. Quelqu'un parle de plateau de télévision en plateau de télévision. Il vous dit comment ça va se faire. Non. Même l'État, si l'État aujourd'hui, nous parlons de l'État central, décide maintenant de faire une table ronde, ça suppose que certains de l'autre côté devaient être touchés pour qu'on puisse arrêter ne serait-ce que l'ordre du jour du travail. Et donc, il ne faut donc pas, et je suis d'accord avec le docteur, pour dire que on va taire nos égos. Nous avons dit partout ce problème aujourd'hui de deux étoiles, ça ne devrait pas exister. Je partage son avis, c'est une étoile. L'unité nationale doit être préservée. Les Camerounais ont vécu dans la paix, il faut que cette paix, il faut donc trouver quel est l'ingrédient magique qui fera en sorte que on puisse s'asseoir et qu'on parle, on se regarde. Célestin Djamène, on sort de ce sujet avec. Oui, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Edouard et avec Koussalaka. Il n'est pas question qu'on rajoute une deuxième étoile au drapeau du Cameroun. On ne combat pas pour deux Camerounais. Il est hors de question. Je ne suis pas rentré en politique pour voir deux Camerounais. Et nous avons une posture qui est fondamentale et essentielle. Nous combattons toute idée de partition du Cameroun. D'où qu'elle vienne. Je dis bien d'où qu'elle vienne. Maintenant, il y a la posture de nos frères et amis anglophones qui, pour certains, veulent le fédéralisme, le disent directement. Pour d'autres, ils mettent les enchères souvent un peu très haut. Parlant de sécession, mais en réalité, c'est des enfants un peu éplorés et frustrés qui voudraient qu'on aille vers eux et qu'on leur parle. Beaucoup sont comme ça. Je suis même convaincu que 95% de nos frères anglophones sont comme ça. Ils pleurent. Il n'y a personne pour essuyer leurs larmes. Et c'est dommage, parce qu'un chef d'État, il a une mission, on va dire, entre guillemets, de père. Quand un enfant pleure, quelle que soit la raison, qu'elle soit fantaisiste, capricieuse, vous devez aller l'écouter, vous devez aller le consoler. Quel est ce mépris qu'un père ne daigne même pas aller vers les gens qui pleurent? Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un contentieux historique anglophone. Pas seulement en 61, par rapport aux accords de Fumel. Ça remonte en 1922, lorsque la SDN donne mandat à la France et à la Grande-Bretagne de diriger les deux territoires du Cameroun. Il n'y avait pas deux États. Il y avait deux territoires pour un État. Si vous repartez dans les archives de l'ONU, il y a un État du Cameroun, pas deux. Mais il y avait deux territoires administrés par deux puissances différentes. Maintenant, aujourd'hui, nous avons, et Denis l'a dit, il a posé une question essentielle. Où sont les citoyens? Mais je dirais à Denis que il y a, par exemple, dans un pays qu'on appelle la RDC, un cardinal, Moussengo, par exemple, qui est vraiment très écouté. Et qui est quasiment pris comme un homme politique. Oui. Mais c'est toujours un homme de Dieu.
Qu'est-ce qu'on reproche au cardinal Toumi? Il fait des initiatives en tant que citoyen. Bon, s'il peut être facilitateur, l'État doit aussi écouter, ou tout au moins, si l'État rejette les initiatives de l'Église catholique, au moins qu'il donne les raisons factuelles, rationnelles, qui disent qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. On n'a pas eu ces raisons-là. Donc, on soupçonne dans l'État de vouloir jouer au pourrissement. Parce que nous sommes des citoyens d'en bas. On veut comprendre ce qui motive l'État pour ne pas vouloir le dialogue, la paix aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu, il y a quelques années, 2 ans, je crois, le consortium, qui était quand même dirigé, entre guillemets, par des gens assez respectables, Fontaine-les-Bains et Arbobala. Pourquoi les a-t-on mis en prison? On ne va pas refaire le débat, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des interlocuteurs. Et l'État peut y aller. L'État peut y aller. Donc aujourd'hui, moi je dis qu'il y a un dernier mot que je voulais ajouter. Edouard, évitons les mots comme « il faut qu'il parte chez lui, faire des réunions ». Non, chaque Camerounais est chez lui au Cameroun. Tout à l'heure, le professeur a parlé de mon parti, le Cameroun. Cameroun d'abord, avant tout le Cameroun. Donc chaque Camerounais est partout chez lui. Monsieur Toumi peut faire une conférence de presse à Douala, pour une conférence anglophone qui aurait lieu à Bouya ou à Bamenda, peu importe d'où il est au Cameroun. Il doit s'exprimer. A démissionné. Pourquoi? Parce qu'il avait des menaces. Bien sûr. Merci, c'est ça a été dit. Merci, messieurs. On parle à présent de ce séminaire ouvert à Yaoundé cette semaine à l'initiative de la NIF. Le séminaire a donc été ouvert sur le blanchiment des capitaux au Cameroun. Denis Kobo, quelle est l'ampleur? Pourquoi vous riez? Quelle est l'ampleur du phénomène? Parce que je sais que vous avez moi, je parle de mes collègues. Moi, je préfère parler de nous. Mes collègues ont l'habitude d'accorder tellement de primes aux gens. Si j'avais été à cette conférence, j'aurais dit 2 mots parce que je n'ai pas de la NIF ici. Je connais les opérateurs économiques camerounais qui sont harcelés chaque semaine par les gens de la NIF. Ou gens. On parle d'abord de l'ampleur du blanchiment d'argent au Cameroun. Vous savez que j'ai des données que la NIF n'a pas. Donc, et que je vais donner ici. Vous savez qu'on est heureux de le savoir. Ces données vont être. Je vais partir de quelque chose. On est curieux de. Et pour confirmer avec la NIF, la NIF a confirmé ce que j'ai envie de dire. Et donc, le gros de leur boulot, c'est d'arnaquer les gens. Le gros de... Oui, c'est moi qui parle. Vous savez que c'est pas... On peut quand même dire les bêtises. Et ils savent, quand je le dis, qu'ils arnaquent les gens. Ils arnaquent les gens, les honnêtes gens. Et ceux qui ont volé l'argent vaquent à leurs occupations tranquillement ici au Cameroun. Moi, je ne suis pas expert fiscaliste comme le Tadaka qui peut, même s'il a l'obligation de réserve, ne pas dire un certain nombre de choses. Mais pour ceux qui travaillent sur tous ces flux financiers illicites, ils savent que le Cameroun est devenu une grande plateforme de blanchiment d'argent. Une grande plateforme de blanchiment d'argent. Et la NIF qui communique pour essayer de soigner son image et montrer qu'on fait quelque chose alors qu'on ne fait rien. Vous avez donné les chiffres. 1000 combien de milliards? 50. 1050 milliards, ça ne représente pas de l'argent qui est blanchi au Cameroun. À d'autres occasions, je vous ai posé la question de savoir, par exemple, je ne sais pas qui travaille, je ne sais pas qu'on est Libanais. Est-ce que les gens peuvent attester des transactions financières régulières des Libanais à travers nos institutions financières qui sont les banques? Non. Donc moi, je ne vais pas aller dedans. Je ne vais pas aller voir comment ils font avec leurs sous. Il y a eu des gens qui sont partis des autres pays pour venir enquêter au Cameroun. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un seul journaliste qui ne sait pas comment on recycle l'argent détourné au Cameroun? Il n'y a jamais eu un combat contre l'enrichissement illicite. On a dit détournement des publics. C'est-à-dire que Paul Biya et un ministre décident que, OK, M. Stephen Diamant nous embête aujourd'hui. On sait que tous nos ministres prennent de l'argent. On l'arrête. Parce que c'est connu. On n'a pas besoin de preuves. On sait qu'ils volent. Mais entre-temps, vous voyez comment les autres vivent. On a eu la CAN passée. On a eu la CAN qui vient. On sait exactement combien de sous sont pris. Tout le monde, je vous dis, attendez-vous dans les chiffres. Donc, vous connaissez les grands projets structurants. Et les prix, les montants faramineux qui défient toute concurrence parce que ce n'est pas au Cameroun qu'on fait les barrages uniquement. Il y a les barrages à travers le monde. Nous avons eu tout un débat ici sur les anciens avions de Cameco. Et moi, on avait checké pour dire voici combien coûte ce même avion. Vous pensez que tous ces extras-là, ça part où? Est-ce qu'il y a une banque où on met l'argent volé? Non. Il n'y a pas de banque où on met l'argent volé ici. Donc, l'argent-là est quelque part. Et quand vous regardez les maisons qu'on construit,
les immeubles, les gratte-ciel qu'on fait déjà à Yaoundé, en pleine avenue Kennedy, partout. Allez demander si c'est les hommes d'affaires connus, si c'est les grandes entreprises connues qui sont en train de faire leur siège. Non, ce sont des gens qui ne vendent rien, qui font ces immeubles-là. Et la NIF dit que c'est quand on leur signale qu'ils enquêtent. Alors, quelle est cette agence d'investigation financière qui n'attend que... Alors, donc, c'est le bon vouloir de celui qui... Hein. Si quelqu'un n'a pas signalé. Donc, si Edouard Fauchivet... Fonctionnaire, il touche 150 000. On va construire et construit les immeubles de 90 milliards. Tant qu'on n'a pas signalé. On peut... Parce qu'on dit qu'il y a Al-Qaïda, on dit qu'il y a le terrorisme au Cameroun. Si l'immeuble monte, l'État du Cameroun, à travers ses institutions légitimes, doit demander quel est cet homme d'affaires qui fait ce gratte-ciel en plein Akwa, ou à Bonanjo, ou à l'avenue Kennedy. Parce que ça peut être Boko Haram qui a fait le conseil d'immeuble, ils en construisent même. Donc, cette affaire de conférence de presse, où on me dit, quelle est l'ampleur du phénomène? L'ampleur du phénomène, c'est que de Paul Biya jusqu'au petit journaliste de la rue, on sait combien on recycle, on sait qui recycle. Si vous dites que vous ne savez pas qui recycle, c'est que vous ne voulez pas seulement aller en prison. Mais vous savez comment ça... Tout, presque tout le monde aujourd'hui sait comment ça se recycle avec les véhicules. Quand j'étais à l'époque étudiant au Nigeria, on avait un plaisir simple. On va à Via Victoria Island, vous vous installez au bord de la rue, vous voyez les voitures qui viennent de sortir, il y a du salade pour une semaine aux États-Unis, ça passe. Donc, quand vous regardez le parc automobile camerounais, vous regardez le type de véhicule, vous regardez les gens qui font venir les Hummers maintenant, les gens qui ne font rien. Qu'est-ce qu'ils prennent cet argent où? On a dit qu'il y avait le formula même. C'est le formula. Ça dit que c'était l'antichambre de détournement et de blanchiment d'argent. Et le régime en place, quand vous avez peur de parler. Si le régime n'est pas un régime qui tolère le vol à ciel ouvert, qui crée même les tensions sociales. Quand vous entendez que les gens sont allés vouloir incendier une brigade, vous entendez qu'il y a des gens qui prennent, même ceux qui, il y en a qui partent en brousse. Pourquoi? Parce qu'ils voient devant eux la quantité de richesses qu'on dilapide alors que le pays ici a besoin qu'on le construise. C'est ça le blanchiment. Et donc, il faut redire que la NIF doit cesser d'aller arnaquer ceux qui travaillent merci normalement et donc, pour s'occuper de ceux qui blanchissent. Merci Denis Kobo. Et donc, qu'est-ce que ça représente ce que le Cameroun perd chaque année? Denis développe beaucoup. Non, je crois que... Ça ne dérange pas celui qui développe beaucoup. À votre question... C'est les Saint Djamel, allez-y. Non, je ne réponds pas. Il faut quand Denis va ce qu'il dit, ce qui te range, tu dis que tu dis rien. Il faut dire que c'est quand même inquiétant que la NIF puisse nous donner ce résultat visible, parce que ça peut être plus. Hein, donc, d'un milliard cinquante, 1 milliard 50 sur presque 10 ans, et que ça sorte à ce jour. Je crois que pour que les téléspectateurs nous suivent, le blanchiment suppose d'un côté qu'il y a un vol, qu'il y a une masse monétaire qui est sortie du circuit économique. C'est d'abord ça, c'est important. Formel. Du circuit, j'ai dit économique, du circuit formel, et existe. Donc, là, dès qu'on a dit ça, le côté juridique dit il y a crime économique. Alors, il se passe donc des techniques de reconversion. Et c'est ça qu'on appelle blanchiment. Donc, un État qui doit contrôler le principe de la vitesse monétaire de circulation doit être attentif à ce genre de masse monétaire qui ne bouge pas. On va même jusqu'à nous dire au Cameroun qu'on enterre de l'argent. En attendant, trouver maintenant des pistes. Les pistes, c'est quoi? C'est, il a dit, c'est la drogue. C'est des immeubles qui montent. C'est le commerce. Il faut dire aujourd'hui que vous trouvez quelqu'un qui vous fait venir, par exemple, 20 conteneurs. Dès qu'il a réussi à positionner, ça veut dire que là, il est rentré dans le circuit formel. Parce que déjà, la NIF nous avait habitué les Camerounais, ceux qui ont des comptes, à comprendre que, en termes de dépôt aujourd'hui dans des comptes courants, on vous pose des questions. Et ça a attiré l'attention de beaucoup, des Camerounais. Et les Camerounais de notre rang petit,
qui avons un compte non fourni, nous continuons sur ce schéma. Mais quelqu'un ne peut pas aujourd'hui, au niveau de la banque, déposer 50 millions, 100 millions, sans motiver. Et c'est donc pour ça que cette masse, je le dis aujourd'hui, cette masse pour moi est infirme. Parce que beaucoup, dans le circuit, comme a dit le prof, dans les circuits réglementaires maintenant, les gens fuient ce circuit parce qu'ils attendent que certains choses. Regardez l'emprunt obligataire de l'autre jour. En quelques semaines, l'argent est sorti et... L'argent que les gens du régime ont volé, c'est ça qu'ils ont utilisé pour... J'ai déjà dit que s'il y a blanchiment, il y a vol, ne revient plus. Ceux qui ont volé, c'est les gens du régime, c'est pas les gens qui sont dans la rue. S'il te plaît, c'est pas pour nous autour de la table, c'est pour ceux qui nous suivent. Et donc, dès que je... Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Messieurs, vous me perturbez. Edouard, je vais encore la parole. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que la NIF ne doit pas rester seulement cet organe de constat. Il faut aller, Denis l'a dit tout à l'heure, il faut aujourd'hui qu'on puisse avoir les catégories fonctionnelles des agents de l'État et de ceux du privé. Pour qu'on puisse dire, par exemple, si Jamel est en train aujourd'hui de bâtir la maison du parti MRC de 250 millions, qu'on lui dise que ce n'est pas possible. Et donc, quand on a dit ça, les clichés, ce n'est pas un cliché, les clichés sont complètement ouverts et il n'y aura plus de trucs d'arnaque, il y aura plutôt question de contrôle et chacun va se mettre à sa place. Le problème aujourd'hui, c'est que sortir l'argent du circuit formel est un crime. Le ramener, c'est une très bonne chose, mais le ramener dans un cadre toujours formel, pas dans les phénomènes de tontine. Le phénomène de vente de... Et je vais oublier le vrai côté, le terrorisme. Parce que ceux, aujourd'hui, il suffit que ceux qui marchent, les frères de Jamel qui marchent en Europe aux États-Unis puissent envoyer un conteneur de trucs d'armes au Nigeria et que ça entre au Cameroun, c'est que l'argent est blanchi. Parce qu'ils ont les armes. Donc je crois que l'État et cet agent devraient vraiment jouer leur rôle pour que demain, l'argent qui est touché rentre dans les circuits formels. Célestin Jamel, ça pose justement le problème de la limitation des pouvoirs de ces agences et commissions qui doivent soit lutter contre l'enregistrement illicite, soit lutter contre la corruption. On a également la CONAC. Oui, effectivement, Denis a bien fait de rappeler que la NIF attend les informations des citoyens que nous sommes, ou les entreprises, les institutions, pour commencer à travailler. La CONAC, elle au moins descend sur le terrain, évalue des faits de corruption, mais sauf que l'éventuelle poursuite est entre les mains du garde des Sceaux, et même au-delà du président de la République, ce qui est incongru parce qu'en vérité, quand on a découvert un fait de corruption, on doit pouvoir être en mesure d'ester en justice. Ce n'est pas le cas, malheureusement, au Cameroun. Maintenant, tout à l'heure, Edouard a parlé des conséquences monétaires de le blanchiment des capitaux. Mais je crois qu'à la base, ce qu'il faut rappeler, c'est que le blanchiment d'argent est un phénomène d'abord qui est issu, j'allais dire, n'est-ce pas, des menaces qui pèsent sur le Cameroun. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on a fait un séminaire sur ce blanchiment, c'est bien parce qu'il y a des menaces, n'est-ce pas, de terrorisme désormais sur le Cameroun, comme sur le Burkina, comme sur d'autres pays africains. On sait très bien qu'aujourd'hui, à l'extrême nord, des gens qui avaient des revendications assez acceptables, si j'ose dire, se sont transformés peu à peu en des grands bandits, des grands gangsters, qui passaient leur temps à rançonner, qui passaient leur temps à faire des trafics de toutes sortes, des trafics de femmes, qui imposaient des impôts de guerre aux populations. Et finalement, ils avaient besoin de financer leur activité terroriste. C'est le cas aujourd'hui dans la zone anglophone, parce que les vrais anglophones qui revendiquent, qui ont des revendications républicaines, par exemple sous la forme de l'État, se sont vus mêlés à des gens qui ne sont que des bandits, qui rançonnent les populations, qui violent les populations et qui, effectivement, ont besoin d'argent pour continuer leur œuvre. Et là-dessus, effectivement, il y a des activités illicites parce qu'en vérité, il faut d'abord définir ce que c'est que le blanchiment réellement. Le blanchiment, c'est quoi? Ce sont des activités criminelles illicites
dont le produit est injecté dans les activités légales. Formelles. Par exemple, un terroriste Boko Haram qui est à Maïduguri, dans l'état de Borno du Nigeria, va construire des immeubles à coût série. On ne sait pas où il prend l'argent. Pour essayer de blanchir un peu l'activité terroriste. Donc là, effectivement, ça peut déstabiliser l'État à plusieurs titres. D'abord, en termes de la fraude fiscale. Parce qu'évidemment, cet argent qui circule, hein, l'argent qui circule peut être déplacé à tout moment. À tout moment. Deuxièmement, il y a l'évasion fiscale, qui n'est pas quelque chose de forcément illégal, mais qui est dit légal. En vérité, ça veut dire que si j'ai 10 milliards, n'est-ce pas, issus des activités terroristes, je peux les placer rapidement en un clin d'œil aux Bahamas ou aux îles Caïmans. Hein. Le problème, c'est les banques. On ne peut pas déposer l'argent dans un compte bancaire sans la complicité du banquier. Donc il faut aussi à ce niveau-là vérifier si le principe de la vérification de la source de l'argent illicite est bien respecté par les banques. Parce que sinon, si ça n'est pas fait, eh bien, il faudra que les banques nous disent comment certains clients, n'est-ce pas, sont reconnus coupables de blanchiment. Parce que ça crée une crise de confiance. Si moi je suis client d'une banque et que finalement je suis reconnu comme coupable de blanchiment, eh bien, les autres clients potentiels n'auront plus confiance à la banque. Et finalement, la banque va finir par fermer, comprenez. Donc, il y a un problème d'abord de civilité de la banque. Hein? Parce qu'en vérité, c'est ça le cœur du problème. Maintenant, si ce travail est fait, ça va peut-être pousser les gens à garder l'argent liquide dans leur maison. Vous voyez? Et ça pose toujours un problème. Maintenant, Denis a rappelé quelque chose. Le train de vie. Quand quelqu'un a deux Ferrari, il n'a pas d'emploi reconnu, il construit les immeubles dans tout le quartier, eh bien, l'État aussi a pour mission, si la NIF faisait son travail, de descendre le consupé. On descend et dit, mais comment vous avez deux Ferrari, on ne vous connaît pas d'emploi, qu'est-ce qui se passe? Et en grattant, on peut découvrir beaucoup de choses. Et il y a aujourd'hui, ça c'est les chiffres de la Banque mondiale, 70 000 milliards de PIB de produits dans le monde. Concernant, comment dirais-je, le PIB produit dans le monde, 70 000 milliards. Et le blanchiment d'argent concerne 21 000 milliards, donc près d'un tiers du PIB mondial. De 70 000 milliards. Ça veut donc dire qu'il y a énormément d'argent qui passe par ce circuit-là. On a des Fémans qui achètent des clubs de football pour blanchir leur activité criminelle. Donc, en vérité, si l'État avait la volonté de sévir, je crois qu'il l'aurait fait depuis, il faut mettre au pied les banques parce que c'est par elles qui passent tous ces comptes. Docteur Alaka, que peut faire l'État face à la propension de ce phénomène? Je remercie déjà les précédents panélistes, Denis, Édouard et Célestin, qui ont parfaitement, enfin, de mon point de vue... J'ai vu le fiscaliste aussi. dit des choses d'une pertinence incroyable. Ça, c'est très bien. Moi, je ne veux pas ajouter grand-chose. Qu'est-ce que l'État peut faire? L'État sait ce qu'il peut faire. Mais l'État ne veut rien faire. La première chose, c'est que le blanchiment d'argent dans un pays comme le Cameroun repose sur une monnaie qui s'appelle le CFA. Et qui est une monnaie convertible à merci et une monnaie transférable à merci. C'est la première chose. Tant qu'on est là, on ne fera rien. Et la deuxième chose, c'est que cette monnaie-là, elle est gardée dans les plafonds et dans les murs des gens qui nous gouvernent. Et c'est pour ça qu'ils se sont précipités à signer les accords de partenariat économique. Et vous avez vu la profusion des grandes surfaces, et c'est à l'intérieur de ces grandes surfaces que les dépôts se font à dose homéopathique pour que ça rentre dans le circuit formel de l'économie. Et vous avez remarqué qu'on a ouvert une grande surface ici à Douala, et il y avait quatre immenses ministres qui sont venus pour l'ouverture d'un supermarché. C'est du bravo, ça. Voilà. Quand son temps des Nicobo, on avait parlé. On avait ça. Oui. Bon, très bien. Si c'est chez l'or, on ne va pas. Mais si c'est chez les autres, on part. Et donc, celui qui a la force de la force, c'est la Direction générale des impôts. Parce que c'est prévu dans les textes. Lorsqu'on se rend compte que quelqu'un a des revenus, on lui demande, mais est-ce que tu as des revenus comme ça? Est-ce que tu as fait d'impôts? Montre-nous les impôts que tu as payés. Maintenant, si tu ne demandes pas les impôts que tu payes, tu n'as qu'à de contribuer avec tout ça, on va dire, mais bon Dieu. Mais tu fais... Là, et ça ne se discute plus.
ça se discute plus. Eh bien, les impôts te mettent en vérification de la situation fiscale d'ensemble. Et pendant un an, on cherche où tu prends de l'argent, d'où il te vient et qu'est-ce que tu en fais. Et là-dessus, le Cameroun signe toujours des bons traités. Le Cameroun vient de... Oui, il vient d'entrer dans une espèce de traité qui... Et qu'on appelle, vous voyez, je suis sûr que ça c'est Ndiamen avec le MRC qui l'empêche. C'est lui, c'est du tout. C'est le RDPC. Alors, la convention multilatérale sur les champs des renseignements à but fiscal. Voilà. Le Cameroun a fait quelque chose d'extraordinaire en entrant dans cette plateforme-là qui réunit tous les pays du monde. Ça veut dire que quand on est dans cette plateforme, en 24 heures, si vous dites. Nous voulons savoir dans votre pays ce que Edouard Fouchivé a. En 24 heures, tous les pays vous disent que ici, dans notre pays au Luxembourg, Edouard Ndiamen a un compte avec un solde. Edouard Fouchivé, pardon. Ah, mais vous voyez. Bon, ben les deux alors. Il a un compte avec peut-être 200 milliards. Il a une maison à venue tant, il a un pavillon à venue tant. Il a telle chose boulevard temps. Tous les pays vous donnent ça en 24 heures. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Donc ça veut dire que... Et en plus, enfin, parce qu'il faut qu'on sorte de ce sujet pour rentrer dans mon élément. Ça, c'est leur chose, ce n'est pas mes choses ici. Et comment ça se fait qu'on crée la NIF qui avait pour but de combattre la corruption, qui est la conséquence dont la conséquence est le blanchiment d'argent, sans donner à cette ANIF les pouvoirs de sanction. Ça veut dire que on a donné la chèvre en tenant la corde. Donc cette chèvre ne peut aller nulle part. En quelques secondes, Denis Colombo. Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup insisté sur la dimension nationale du blanchiment d'argent. Et cette dimension-là est négligeable par rapport au système. Les flux financiers illicites sont organisés sur la chaîne du crime transnational. La chaîne nationale, on peut appeler ça, c'est les larcins. Quel que soit le montant qu'on prend ici, c'est rien du tout. Mais quand on participe à la chaîne internationale, c'est là où on peut comprendre les mécanismes. D'abord, sur le contrôle. Et là, je ne sais pas si Taraka a pu nous le dire. Qui contrôle les mouvements dans nos banques? Au niveau sous-régional, c'est qui? C'est la COBAC. Or, je n'ai pas envie de dire, parce que moi, quelquefois qu'on parle, peut-être, c'est pas facile. Moi, je parle comme... Dites-le, Denis Kogo, dites-le. Non, je dis que la COBAC est une institution qui arnaque les banques. Comme la NIF. Comme la NIF. Donc, elle, c'est plus grave. Elle arnaque sur le plan matériel et elle arnaque sur le plan politique. Sur le plan politique, parce que ça veut dire que c'est une institution qui est contrôlée par un pays qu'on connaît. J'en ai pas qu'on prononce, mais c'est la France qui maîtrise la COBAC. Et comme je veux dire que le trafic illicite, participe à la chaîne du crime transnational, il y a des raisons d'État, même des raisons néocoloniales, qui font en sorte qu'on ne peut pas démanteler, exposer le réseau de tel trafic. Tout à l'heure, j'ai pris souvent l'exemple des Libanais. Et je sais pourquoi je parle des Libanais, parce que tout le monde connaît Hezbollah. Quand on vous dit, comment est-ce que Hezbollah gère son agent? Mais c'est à travers les pays comme le Cameroun et le Nigeria. Quand on a, j'ai enquêté avec un ami nigérien au Nigeria, sur Boko Haram, pas au Cameroun. Parce que si je parle du Cameroun, on va venir me chercher après. Et tout, il est établi. On a vu, on a creusé sous les domiciles, on a vu des coffres forts au Nigeria où il y avait des sous qui étaient des sous d'Hezbollah qui alimentaient Boko Haram. Ce que je peux dire en tant que Camerounais, c'est que vous savez, si vous mettez la fourchette dans la sauce, vous prenez un peu de sauce. Donc, vous ne pouvez pas avoir le Hezbollah qui est impliqué dans Boko Haram au Nigeria et qui n'est pas impliqué dans Boko Haram au Cameroun, puisqu'on dit que Boko Haram... Mais quand on disait que l'État doit agir, c'est que peut-être il s'occupe de petits sous. On ne regarde pas le volet sécuritaire qui nous fait perdre 10 fois plus le volume d'argent. Quand on annonce 1 000 milliards, c'est que c'est sur 10 ans. Ça ne peut pas représenter quelque chose. Sur 10 ans, ça fait au moins 50 000 milliards. Même les gens d'Anif le savent. Mais ils ont bien dit à leur conférence que
nous n'agissons que sur ce qu'on nous a dit. Les flux financiers illicites participent du crime transnational. Donc, ce n'est pas même les plus grandes nations, les Américains, les Français, ne sont pas capables en un coup de traquer le blanchiment d'argent. C'est ce qui plombe l'économie mondiale. Pas qui plombe, non, c'est ce qui crée l'économie parallèle mondiale où on a des riches au Cameroun. Si vous prenez, pour terminer, si vous prenez, les gens qui sont riches ici, ce qui va sauter aux yeux, c'est que on ne sait pas où ils ont leur magasin, où ils ont l'entreprise. Les gens qui ont l'argent, ceux qui brassent les milliards au Cameroun. J'aurais bien voulu titiller même les hommes politiques en disant que quand vous regardez le matériel électoral, par exemple du RDPC, personne ne peut vous donner les reçus de sortie d'argent ou les reçus de cotisation. Si vous prenez même l'argent, si vous prenez même de l'argent dépensé par certains politiciens de l'opposition, je peux vous rassurer que ça participe de cette même chaîne-là. Avec beaucoup de certitude. C'est-à-dire que ça participe de même chaîne, puisque voir est capable de s'alimenter et d'alimenter un peu C'est toujours du blanchiment d'argent que de voir des grosses sommes qui sortent. Il y a un canal qui a annoncé des meetings de 400 millions. Si vous annoncez un meeting de 400 millions, on devait vous demander, Edouard, vous avez fait un meeting à 400 millions. Denis Kobo, merci Denis Kobo. En deux secondes, Denis a raison de rappeler les ramifications internationales du blanchiment d'argent. Mais je pense aussi que l'État a une responsabilité. Il y a plein de sociétés écrans qui sont créées au Cameroun, justement. Mais à partir du moment où vous déclarez une société, ça devient légal. En même temps, l'existence réelle de la société, elle pose problème. L'État aurait dû avoir un contrôle physique de ces sociétés-là, qui sont en vérité des sociétés d'écran. Je prends un exemple très simple. Je crée une pizzeria qui n'existe que sur le papier. Je déclare que chaque mois, chaque jour, j'ai livré 300 repas. En vérité, rien du tout. Et à la fin, je vais déclarer les impôts. Alors que l'argent, réellement, vient des activités criminelles. Parce que les inspecteurs d'impôts n'ont pas pris le soin de descendre sur le terrain pour vérifier l'authenticité de l'existence de ces sociétés-là. Donc, voilà la première responsabilité de l'État. Et tant que ça n'est pas fait, ben, on aura toujours à faire, puisque la ramification sera souvent mondiale ou mondialisée. Et donc, aujourd'hui, la Libanais qui l'a cité, je ne veux pas stigmatiser un pays en particulier, mais je crois que l'État, plutôt que d'avoir des budgets chaque année, il devrait réformer ce qu'on appelle l'institution d'investigation et leur donner une mission qui serait d'abord de descendre physiquement sur le terrain, quitte à recruter, et ensuite qu'on déniche tous ces gens qui dilapident l'argent. La fortune publique camerounaise. Déposé au Parlement, le projet de loi de finances 2019 crée la polémique avant son adoption. Comparé au budget de l'année 2018, celui de Denis Kobo, celui de 2019 devrait enregistrer une hausse de 161 milliards de francs CFA pour se situer autour de 4 850 milliards et 500 millions de francs CFA. On va commencer par vous, Edouard Fauchivet. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de la loi de finances 2019? Je pense que c'est... Vous savez, ce projet vient après les orientations de la BEAC, du FMI, et ceci a permis à l'État de donner les grandes orientations au niveau de deux axes. D'abord, au niveau des mesures fiscales nouvelles, et ensuite du suivi des dépenses d'autre part. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, contrairement à, en attendant que l'expert parle, contrairement à ce que les journalistes ont développé, le Cameroun, il faut déjà dire que le Cameroun a deux, sinon trois grands chantiers. Nous avons signé les APE, même si les constats de preuve, c'est que nous avons signé les APE. L'impact des APE au niveau de notre économie, c'est qu'il y a baisse aujourd'hui de recettes. C'est donc pour ça que la vision passée de 13.1 à 13.2 de pression fiscale peut s'entendre. Parce que il faut renforcer aujourd'hui les nouvelles, il faut diversifier, n'est-ce pas, l'assiette de recettes. Alors, pour diversifier, donc, l'État a pensé réorienter maintenant le schéma vers d'autres pistes. Et c'est là où c'est qui est important, parce que ce n'est pas seulement de voir la pression. D'abord, en signant les APE, notre tissu économique devait être fragilisé.
Parce qu'au niveau des importations, les produits de deuxième et de troisième main entrent au Cameroun à coût de recettes presque faible. On l'a dimensionné, on a augmenté, ce qui est déjà une voie. D'abord, pour que notre balance commerciale ne soit pas déficitaire avec des produits, n'est-ce pas, qui sont hors normes. Puisque aujourd'hui, en attendant, j'ai dit, le Cameroun est déjà dans le concept des produits nomenclaturés à travers les APE. Donc, cette piste permet aujourd'hui de réorienter et de faire en sorte que ces produits, j'ai vu qu'il y a les boissons, parce que le Cameroun est un chantier aujourd'hui où ça se laisse boire, et augmenter, faire cette pression sur certains produits permet d'avoir une lisibilité beaucoup plus économique. Les autres ont pensé que cette pression va écraser. Non. Au niveau des importations, surtout que ça ne touche pas directement le consommateur, ça va toucher le consommateur, mais ça touche le consommateur, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais plutôt dire, en termes des dividendes, des bénéfices, beaucoup de ces entreprises qui vont distribuer dans le cadre aval seront obligées de payer. Ça touche les entreprises aussi, c'est pas que les consommateurs. C'est ce que j'ai dit. Pour payer, nous sommes au niveau de recettes, nous sommes au niveau de l'augmentation de recettes, afin de combler maintenant le déficit créé donc par les APE. Maintenant, au niveau de rythme, maintenant, au niveau de la dette, je crois que en termes de dépenses, une réorientation a été faite et il faut qu'on suive. C'est-à-dire le contrôle aujourd'hui plus que jamais de dépenses de l'État et de la lisibilité que l'État veut avoir au niveau de sa dette, de l'endettement. Ça m'a beaucoup plu parce que je crois qu'on a discuté sur ce plateau avec le docteur Alaka pour cette pression qui venait de l'ECE. Je crois que l'État, en restant dans le calibre 35% de PIB normalisé par la CEMA, qui a 70%, nous pouvons dire que notre dette est soutenable. On peut dire aujourd'hui soutenable parce que des projets aujourd'hui structurants doivent continuer. Vous savez, la dette, c'est quoi? La dette est un investissement pour le futur. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut que les projets qui concernent donc ces dettes puissent aboutir. On a les routes, on a les hôpitaux, surtout maintenant avec les histoires de l'industrialisation. Il faut revoir les structures agricoles, il faut revoir toutes les trucs ferroviaires, etc., d'accompagnement. Mais pourvu que ces projets, aujourd'hui, en faisant appel, n'est-ce pas, à cette notion de dette, qu'on puisse atteindre sur un temps précis pour permettre maintenant à la jeunesse qui arrive, parce que finalement, qui va donc payer, c'est cette jeunesse qui viendra, pour permettre à cette jeunesse de trouver des investissements, parce que nous sommes encore dans le cap d'émergence 2035, et ces projets structurants doivent nous permettre de faire ce pas. Et en face, le docteur Alaka, qu'est-ce que vous pensez, vous? Pourquoi en face? Parce que je sais que vous... Et donc, vous suivez... Ah, d'accord, la situation géographique. Pas seulement, vous le savez. OK. Alors, pour répondre à votre question, je dis simplement que, bien sûr, tout ce qu'il a dit est irréprochable. Je voudrais simplement ajouter le fait que, en augmentant le budget de l'État en période de difficulté, l'État a refusé de diminuer son rythme de consommation. C'est-à-dire, l'État n'a pas voulu diminuer ses dépenses de fonctionnement. Voilà. Ce qu'on appelle généralement le train de vie. Voilà. C'est la première remarque. Et celle-là, elle va nous amener encore à un endettement beaucoup plus élevé dans la mesure où, si les mesures nouvelles qu'on va certainement commenter ici, certaines, si le rendement attendu ne donne pas les résultats escomptés, eh bien, on va aller vers la dette pour combler ce déficit-là. Et c'est vrai, notre dette est encore soutenable. Mais notre dette est soutenable par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et le problème de notre pays, c'est que lorsque les autres font quelque chose qui marche bien, on dit oui, ça se passe ailleurs. Ils ont une dette de 100% de leur PIB. Mais ce sont des pays industrialisés, ce sont des pays qui ont leur monnaie, ce sont des pays qui ont une politique économique rigoureuse où l'évasion fiscale
et la fraude fiscale ont été sensiblement maîtrisées et où le blanchiment d'argent est réprimé avec la dernière énergie. Mais nous, on se met là avec un petit discours et on se dit, voilà, la dette est soutenable. C'est vrai, elle est soutenable, mais elle ne sera pas soutenue. Parce que lorsque nous sortons tout récemment des politiques d'ajustement structurel pour entrer dans les fonds PPTE, on nous a dit, c'est bon, on est arrivé. Mais nous voici encore en plein dans le FMI. Il a évoqué, c'est la première chose qu'il a dite, notre budget est le fait du FMI et de la BEAC. Et c'est sur cette base que le président de la République a fait sa orientation, a donné ses orientations. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais vous connaissez un pays normal où son budget a pour orientation l'extérieur. Parce que la BEAC, ce n'est pas notre BEAC. Voilà. Pas du tout. Et donc, vous n'êtes pas surpris que lorsqu'on parle de monnaie au Cameroun ou en N'Djamena, il y a toujours le FMI et il y a le franc CFA à côté. Et celui qui le représente. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, faites très attention avec les orientations que ces gens-là vous donnent. C'est pour dire que, en augmentant, de mon point de vue, c'était ça votre question, en augmentant le budget, l'enveloppe budgétaire, l'État n'a pas tenu compte de sa réalité économique actuelle. Célestin Djamin, sur la loi de finances 2019. Oui, tout à l'heure, j'ai écouté Edouard Fauchivet, mais je crois que, autant je suis d'accord sur l'évocation de l'endettement public qui est un vrai problème, autant je ne partage pas les détails qu'il a apportés. D'abord, je pense qu'il faut rappeler que tout le monde se souvient que dans la loi de finances 2018, l'exercice 2018, nous avions un budget de 4513 milliards, je crois. Aujourd'hui, pour l'exercice 2019, il est prévu un budget de 4850 milliards et des brouettes. Ce qui fait, si je fais un calcul rapide, environ 360 milliards de différence. On se serait attendu que l'État réduise les dépenses. Parce que quand on réduit les dépenses, on a l'épargne intérieure. On a besoin d'épargne intérieure pour certains grands projets, notamment. De deux, il est clair que nous connaissons le poids de l'endettement public au Cameroun. Par exemple, au niveau de la dette publique extérieure, c'est environ 461 milliards sur les 1167 milliards. C'est énorme. 5%. Donc, on aurait dû provoquer l'épargne intérieure à travers la réduction des dépenses. Et qui pourrait aussi, j'allais dire, provoquer les investissements infrastructurels. On en a besoin aussi au Cameroun. Donc, à partir de là, cette dépense supplémentaire qui est mise sur pied sera compensée par quoi? Et c'est là qu'on sombre dans l'élargissement de l'assiette fiscale et les émissions de titres publics. Parce que, on parle d'un prêt obligataire sur lequel l'État va s'appuyer pour essayer de se rattraper en quelque sorte. Or, quand on fait... On augmente l'assiette fiscale, donc il y a une pression fiscale qui augmente. Qui c'est qui paie les pots? C'est les plus pauvres. Ça crée un appauvrissement puisque le pouvoir d'achat qui est déjà très minable va encore baisser. Et pire encore de la part des entreprises. Ils auront tendance à répercuter l'augmentation de la TVA et autres sur les consommateurs. Donc ça crée des ravages. Maintenant quand j'entends... Edouard Fauchivet nous parlait de dette soutenable, on parle de 34% du PIB du Cameroun. Bon, évidemment, si on compare au taux de la CEMA qui est de 70%, évidemment, ça peut se comprendre. Mais M. Murtazé, quand il annonce ça, soit il ne connaît rien en économie, soit vraiment, il se fout des Camerounais. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de dette soutenable dans l'absolu. Tout dépend de la structuration économique du pays. Je prends deux cas. Le cas du Japon et le cas de la Grèce. Le Japon a plus de 100% de sa dette publique, n'est-ce pas, de son PIB basé sur la dette publique. Sauf que la dette publique n'est pas basée, est basée sur le yen et pas sur les devises extérieures. Donc ça dit que si l'agent de l'État qui est le débiteur rembourse au créancier qui est le japonais, l'argent reste dans le circuit national.
Donc même s'il y a 1000% de dette, ça ne pose aucun problème. D'accord. Regardez les États-Unis, le Japon, ça ne pose aucun problème. Donc Moutazé ne connaît rien en politique, en économie, et dit n'importe quoi. Maintenant, je prends le cas, de la Grèce. La Grèce, on l'a vu. Il lui fallu un plan Marshall quasiment européen pour que la Grèce sorte de l'eau. Pourquoi? Parce que l'endettement de la Grèce était basé pour plus de 50% sur la dette publique extérieure, sur les devises. On a vu les conditions pour lesquelles les États-Unis ont soumis la Grèce de remboursement drastique, en particulier les fonds souverains américains, les fonds de pension américains. Ils étaient incapables de rembourser. Heureusement que la Grèce faisait partie de l'Union européenne. Ils se sont mis ensemble pour sauver la Grèce. Pourquoi? Parce que la dette publique de grec était basée sur les devises étrangères. Donc, en vérité, tout est relatif. Donc, quand un ministre agit de chiffon blanc en disant que non, le Cameroun n'a pas atteint le plafond de la semaine, c'est du n'importe quoi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que on nous a dit, Philemon Yang nous a dit que oui, le budget va s'occuper, va financer la CAN, va financer la décentralisation, va financer le plan jeune. Mais je pose une question. On nous a annoncé au Cameroun qu'il y avait 1000 milliards quasiment d'endettement, d'emprunt obligataire pour financer la CAN, 1000 milliards pour la CAN, sans parler du budget, et 102 milliards pour le plan triennal jeune, qui n'était pas inclus dans le budget. Donc c'est un double budget. Vous voyez comment le vol s'organise. On crée des montants complètement fictifs qui seront détournés plus tard par les prévaricateurs de la République. Ça pose un vrai problème d'éthique de l'État. Voilà, on sort d'un sujet, est-ce qu'il le blanchiment d'argent? L'État blanchit l'argent. Et je comprends maintenant mieux Denis quand il dit que la NIF arnaque les Camerounais. Je ne serais pas allé jusque-là, mais c'est Denis qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc la NIF arnaque effectivement les Camerounais. Le gouvernement camerounais arnaque les Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle cette élection présidentielle était l'occasion pour le Cameroun. Je vais terminer en disant que quand je regarde l'argument avancé par M. Moutazé sur le retard de dépôt du projet de loi à l'Assemblée, il nous dit que c'est parce que le FMI devait valider les orientations. Donc ce n'est pas que le chef de l'État. Non, oui, c'est grave. Parce que ça veut dire que notre économie. Non. L'économie, l'orientation. Politique de la politique économique devrait être faite par le chef de l'État camerounais. C'est ce que j'ai dit. On se rend compte que c'est le FMI qui dirige notre économie. Mais c'est ce que j'ai dit. Et ça nous renvoie à ce que disait le professeur Alaka tout à l'heure, parce qu'en vérité, dans les années 80, l'ajustement structurel, c'est à cause de quoi? Le manque de remboursement des dettes. Parce qu'on avait des mauvais investissements sur des projets non viables. Quand vous faites des projets non viables, vous ne pouvez pas rembourser. Et quand vous savez très bien que les charges annuelles de remboursement, c'est 250 milliards annuellement, dans le cas du Cameroun. Donc, on prend le capital déjà, donc on passe notre temps à rembourser les taux d'intérêt. Donc, c'est un cycle infernal qui va hypothéquer les générations futures. Denis Kobo, d'abord, le projet de loi de finances finalement a répondu aux orientations du FMI. Les uns et les autres l'ont dit, mais qu'en est-il exactement de la réalité sociale des Camerounais? Oui, je ne peux pas répondre à la question sans. Il faut que je reparle là où les autres. Et si c'était pas un langage soutenu? C'est que la réponse à cette question a été apportée par Sestin parce que quand on arrive sur les questions techniques là, c'est bien de dire qu'ils doivent suivre du RDPC, mais il n'y a pas une économie RDPC, il n'y a pas une économie, c'est au niveau de l'orientation politique et des appréciations, ça va poser un problème. Ils ont dit quelque chose qui va illustrer. Vous avez une dette de 100 000 francs, vous êtes ouvrier agricole. Et vous avez votre frère qui travaille à la NASA. Il a une dette de 100 000 francs. Monsieur Moutazé dit que, puisque c'est 100 000 chez vous, et 100 000 chez celui qui travaille à la NASA, vraiment, la moyenne, c'est pas mauvais. C'est exactement ce que... C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens du régime n'ont jamais fait l'économie. Ils n'ont jamais fait l'économie. Et quand on regarde le budget, on sait qu'ils n'ont jamais fait l'économie. Et ils s'arrangent toujours à ne pas appeler, même dans leur propre camp, les gens qui ont fait l'économie. Ce pays a d'éminents économistes sur tous les domaines. Mais sauf que si vous êtes administrateur civil, coopté, vous devenez économiste et vous dictez tout aux économistes qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'on a des problèmes. J'ai entendu tout récemment qu'on devait même retourner au plan quinquennal. On devait faire le budget programme. Chaque fois, dès qu'ils ont bu un peu de champagne, ils inventent une formule. Lila, quand on parle d'économie de marché, c'est une place des affaires où on vend et on achète. Vous achetez en fonction de ce que vous avez dans la poche. Vous achetez en fonction de ce que vous avez dans la poche. Vous n'achetez pas en fonction de ce que vous voulez acheter. C'est en fonction de ce que vous avez dans la poche. Et c'est le problème que l'économie camerounaise a aujourd'hui.
C'est-à-dire que parce que Bia et ces gens veulent aussi faire un budget, ils ont appris qu'il faut faire le budget. Voilà. Un budget qui n'est pas adossé au niveau de leur économie. C'est-à-dire que qui vous accrochez, ils accrochent leur sac là où la main ne peut pas arriver. Voilà. Je prends des termes, je ne suis pas économiste, mais comme moi, je gère mon champ. Je sais comment ça se gère. Si quelqu'un a, vous gérez, il doit être directeur d'un, mais il gère d'abord sa maison, son foyer. Quand c'est vous qui payez l'école à vos enfants, quand c'est vous qui devez donner l'argent de la nourriture chaque jour, vous savez exactement ce que ça vous coûte. Et il est possible que j'ai lu un expert comptable qui a dit que le ménage est une entreprise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ménages qui ont fait faillite. Pas divorce, mais faillite, parce que ça ne tenait plus. Le Cameroun aujourd'hui fait l'économétrie. C'est-à-dire que ce n'est que sur papier et dans le paperage du budget là, voilà, qu'on fait l'économie. Exactement. Ce n'est adossé à rien. Pour qu'il y ait croissance, il faut produire. Est-ce qu'il y a une mesure dans le budget qui incite à la production et à la production même, je dis bien locale? Il faut regarder cela. Tout à fait. Il y en a. Oui, je viens. Si vous dites que vous faites les APE dans la sorcellerie et personne ne nous dit ce que l'APE qu'on a signé va rapporter, il fallait qu'on nous dise dans le budget de ce pas de ça. Je viens. Il dit que si on nous dit en 2018, on est obligé d'aller chercher les recettes ailleurs parce qu'on a signé les APE, ce qui nous dispense de certains. Je veux dire que nous, ça nous coupe des recettes douanières qu'on avait par ailleurs. Est-ce qu'en retour, on pourrait dire que cette année-ci, à cause des APE, nous, on perd 20 milliards, et les 20 milliards qu'on a perdus là, on va gagner 21 c'est milliards ça, sur tel segment. C'est ce que j'ai dit, c'est la nouvelle tarification, puisque vous... Oh, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que... On a ce n'est diversifié pas, je vais, Edouard, ce n'est pas en allant plutôt chez M. Alaka prendre les recettes qu'on a perdu aux APE chez Saint-Germain qu'on a résolu le problème de notre économie. Si on a perdu les recettes chez M. Diamène, c'est qu'on attendait quelque chose en retour. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu en retour? 0 sur 20. Parce que personne ne peut nous dire. Maintenant, on s'est maintenant rabattu chez ceux qui produisent. On dit, on va augmenter les droits. Vous augmentez les droits d'assises, comme chaque année. Denis, c'était aussi. C'est mon domaine. Vous augmentez les droits d'assises. Et vous savez combien d'impôts les entreprises... Je viens, Edouard. Pas dans le budget. J'ai dit qu'il y a la paperasse du budget, oui. Il y a la réalité économique du pays. Parlons de la réalité économique. Les entreprises chez qui vous allez prendre les droits d'assises contribuent pour combien aux impôts? Beaucoup. Je n'ai pas besoin de dire non parce que je connais exactement quel est le chiffre. Quand on veut qu'une économie soit plus dynamique, qu'on veut avoir plus de recettes en matière de fiscalité, il faut que la consommation soit boostée. Donc, si on consomme plus, ceux qui produisent vont donc vendre plus et payer plus d'impôts à l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Or, ici, on dit non. On veut qu'on paye plus d'impôts. Celui qui demande, on demande qu'on paye plus d'impôts. On ne sait pas demander... Comment est-ce que celui qui va payer plus d'impôts va avoir un niveau de recette capable de lui payer plus d'impôts? On a pris le budget, 2018. Qu'on nous dise exactement quel était le taux de réalisation de ce budget. Il dit exactement, pas sur les papiers. Vous terminez. Si vous avez réalisé un budget qui est de 4 513 milliards, à moins de 70%, c'est extraordinaire de revenir faire un budget de 4 850 milliards alors que vous n'avez pas pu réaliser... À plus de 60% le budget de 2018, il faut se dire la vérité. Moi, j'ai rencontré des personnalités de ce pays qui gèrent l'argent du pays, qui disaient en septembre dernier, qu'on n'avait pas atteint le niveau de recettes attendu en juin. Je ne sais pas si entre septembre, j'ai dit le niveau de recettes, oui. C'est pas parce qu'il y a eu les impôts, la douane et les impôts que ça s'est passé. Chaque fois, j'ai essayé de travailler sur les projets. Quand on dit qu'il faut financer le pont du Vouri, le jour où le Cameroun doit contribuer à hauteur de 35 milliards sur un projet de 150 milliards, c'est là qu'on découvre que son budget est fictif. Parce que quelqu'un qui a un budget de 4 850 milliards a un important levier à activer s'il veut exécuter un ensemble de projets. Ce n'est pas le cas. Il doit bien parler. Quand il a parlé de projets structurants, on est d'accord que
avec les générations futures, les barrages, peut-être les autoroutes serviront à quelque chose. Mais l'économie, si elle est économie de marché, est sur une place où on vend et on achète. Vous ne pouvez pas acheter sans produire pendant 100 ans sous prétexte que ce sont les générations futures qui viendront le faire. Donc, ce budget-là, il faut peut-être que Edouard, qui est à la paperasse, nous redise comment est-ce qu'on va le financer. Alors, de ce qu'on entend des uns et des autres, c'est que cette hausse de la pression fiscale va toucher tous les Camerounais. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y avait une façon de faire sans pour autant que ce soit le contribuable qui en paye les pots cassés? On va dire ça comme ça. Ah oui, mais bien sûr, parce que les mesures nouvelles qui sont prises, on a pour l'essentiel nommé le mal, mais on n'a pas trouvé le bon médicament pour guérir la maladie. Je peux vous prendre deux ou trois exemples sur ce projet de loi de finances. D'abord, on parle de la pression fiscale qui monte d'un point et demi, qui part de 12 à 13%. C'est d'abord faux, parce qu'un État où l'impôt sur la consommation est de 19,25% et où tout le monde consomme, son niveau de pression fiscale commence à 19,25%. Ça veut dire que si on augmente, on va dépasser les 20-25%. Et je peux vous dire que la pression fiscale au Cameroun caracole vers les 30-35%, si on veut mieux la calculer. Et parce que jusqu'ici, on nous dit que pour calculer la pression fiscale, c'est les prélèvements obligatoires, dont les impôts et autres sur le PIB. Qui connaît le niveau de prélèvement obligatoire de notre pays? Le montant des impôts qu'on recouvre, personne. Même pas la direction générale des impôts, parce qu'il recouvre le contentieux. Il recouvre le contentieux. Et quand on a recouvré le contentieux, c'est un argent qui ne vous appartient pas. Mais eux, ils le budgétisent comme réalisation. Il n'y a que ces pénalités pour se partager, comme ils le font. Et voilà. Et maintenant, même le PIB, est-ce qu'on connaît exactement notre PIB? Est-ce qu'on sait, ma vieille mère qui est au village, quand elle coupe son plantain, elle vend? Est-ce que ce n'est pas la production nationale? Qui, hier encore, il y avait des moniteurs agricoles qui étaient dans les marchés, partout en brousse, et qui relevait les ventes. Vous vendez une cuvée d'arachide, on note. Aujourd'hui, ça va dans le PIB. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ça, c'est un. Alors, regardez, je vais vous prendre deux cas de figure. Regardez, j'ai parlé du recouvrement du contentieux. Regardez le contentieux fiscal qu'on nous propose pour le projet que Edouard a là sous sa main. Il ne fait que le souligner comment ils ont bien fait le travail. Voilà. On nous dit aujourd'hui que le contribuable qui va au contentieux doit payer 100% de ses impositions. Mais on va donc au contentieux pourquoi? Et on va aller au contentieux pour payer 100% des impôts avant que le juge ne se soit prononcé. Mais ça ne sert à rien d'aller au contentieux. Donc là, on va aller dans la corruption des agents fiscaux. Parce que je sais que pour avoir raison, il faudrait que j'aie payé tous les impôts. Ben, les entrepreneurs vont préférer corrompre, et c'est ça qui est recherché, les agents fiscaux. Et de l'autre côté, on ne dit pas, si j'ai raison, après que vous m'ayez fait une imposition peut-être de 50 millions, et j'ai payé 50 millions jusqu'à ce que le juge suprême me donne raison, on ne dit pas ce qu'on fait de l'inspecteur des impôts qui a établi ces mauvaises impositions. On devrait aussi prévoir des sanctions contre les inspecteurs des impôts qui ont fait le mauvais travail. Parce qu'en faisant le mauvais travail, ils recherchaient la corruption. Ils voulaient être corrompus. Mais le chef d'entreprise refuse de les corrompre et va vers le juge à travers les voies normales qui sont connues. Première chose, ils ne l'ont pas fait. Ils mettent une autre disposition, la retenue à la source. Ils nomment le mal. Parce que jusqu'ici, et les grandes entreprises qui retiennent les impôts des petites entreprises comme celle d'Edouard Fauchivé, ou bien les entreprises des gens du MRC ou du Manidem. Voilà. Les grandes entreprises retiennent à la source pour reverser. Et ils ont fait le bon diagnostic, ces entreprises ne reversent toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution dans ce projet de loi de finances? Ils disent, on va leur frapper des pénalités importantes. Mais ce n'est pas la solution. Parce que si je suis une grande entreprise X, j'ai retenu à la source peut-être 800 millions. Et je sais que je vais payer 10 millions de pénalités si je ne reverse pas ça. Mais je gagne les 800 millions. Le jour où vous venez, j'ai la trésorerie. Ce serait quoi la solution, docteur Alain? La solution est simple. En ce qui concerne la retenue à la source,
on a donné aux chefs d'entreprise l'alpha et l'oméga, comme j'aime à le dire, de la retenir à la source. La solution, aujourd'hui, quand il retient à la source, quand le contribuable supérieur retient à la source les impôts du contribuable inférieur, c'est encore lui qui lui donne l'attestation de retenir à la source. Donc, il est juge et parti. Il retient, il donne l'attestation de retenir à la source, celui-là s'en prévaut, mais il n'a pas reversé à l'État son argent. Je pense qu'en nommant l'OMA, ce qui aurait dû être fait, c'est que on demande à la grande entreprise de déclarer ses retenues à la source en listant toutes les petites entreprises qui ont fait l'objet des retenues à la source et paye. Maintenant, l'administration fiscale, elle, au vu de ça, délivre les attestations de retenue à la source et met en ligne les quittances pour chaque chef d'entreprise, petite entreprise qui a subi la retenue à la source. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quelqu'un dont on retire les impôts à la source ne vous présentera jamais une quittance de paiement. Or, notre constitution financière dit que c'est la quittance de paiement qui est la preuve du paiement des impôts. On a fait d'une attestation de retenue à la source la preuve du paiement. Et ça ne devait pas s'arrêter là. S'il voulait vraiment réprimer, il devait monter d'un cran. Lorsqu'on a retenu les impôts de l'État à la source, ces impôts sont dans leurs principes et leur montant inattaquable. En ce moment, celui qui ne les a pas reversés peut subir deux sanctions, de mon point de vue. D'abord, la publicité des créances du Trésor. C'est-à-dire que le montant, là, on met son nom, on met à Cameroun Tribune, on dit que ce type a retenu la gagne de l'État qui n'est pas attaquable et il ne l'a pas reversé. Deuxième chose, maintenant, on lui envoie une contrainte par corps. La contrainte par corps, c'est tu as une semaine, tu payes, tu ne payes pas les impôts de l'État retenus à la source, on te met en prison. On te met en prison. Voilà pour la retenue à la source. Parce que la retenue à la source ne souffre de rien. C'est un impôt réel dans son principe et son montant. L'accompagnement de l'économie. Voilà. Donc à ce moment-là, or, cette loi de finances ne dit pas ça. Donc il y a deux choses essentielles. Sanctionner les agents des impôts qui font des mauvais redressements à la recherche de la corruption, sachant que au contentieux, ils ne pourraient rien faire. Et ceux qui retiennent à la source, l'État doit reprendre son domaine pour ces deux éléments-là. Edouard Fauchivé, dans le même temps, la loi de finances prévoit de maintenir le taux d'inflation en dessous de 3%, alors que les journaux, justement, annoncent que la hausse de la pression fiscale peut faire en sorte que les prix de certaines denrées alimentaires et même les prix de certains articles soient revus à la hausse. Est-ce que ce sera justement possible? C'est justement ce que je disais tantôt pour la diversification de l'assiette de recettes. C'est parce que le consommateur que nous sommes aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se ruent vers les produits de seconde et de troisième main. C'est ce que nous appelons en langage simple ou pas la brocante. Et c'est pour ça que on a redimensionné maintenant cette assiette de recettes. L'impact maintenant au niveau maintenant du consommateur, l'État peut contrôler à travers ses services de prix, puisque tout est fixé d'avance. Je voulais revenir sur ce que... Edouard, sans t'interrompre, oui. Ce sera très difficile. On va encore créer une autre poche de corruption. Parce que les entreprises qui vont supporter ces droits d'assises et la TVA sur droit d'assises va répercuter intégralement cette charge fiscale sur le consommateur final que nous sommes. Et c'est donc nous qui allons souffrir. Et pourtant, le service de prix, aujourd'hui, c'est cette mentalité que nous décrions autour de la table depuis. Je voudrais dire que ce projet de budget Jammeh a effectivement tenu compte au niveau de la structuration, n'est-ce pas, de l'épargne et de la valeur de la dette intérieure. Je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est 1050 milliards. Ça, les 1050 milliards viennent relancer la consommation interne. Il faut le dire. Et c'est pour ça que lorsque je parlais tout à l'heure de dette extérieure... Les 1050 milliards viennent d'où? Mais ça fait partie des 4,8. 4 milliards 8. C'est pour, je te donne la situation. On ne peut pas relancer la consommation. Oui. Déjà, au moins, c'est pour ça que nous commentons, s'il te plaît, nous commentons la structuration du budget pour faire comprendre que dans les 4800, nous avons 1050 en interne
Ce qui n'a jamais été précisé, c'est pour ça dans la structuration présentée, il faut voir, nous commentons avec l'expert, ce qu'il y a comme des possibilités. Ça, si on tient compte de ça, ça relance. Et c'est pour ça qu'on a dit, c'est le train de vie de l'État aujourd'hui. Et c'est le contrôle de la dette intérieure à travers ces projets de situation dont on ne peut pas s'en passer. Mais Edouard Fauchivédier, réduction du train de vie de l'État et dans le même temps permettre que le budget de fonctionnement soit... De 2000. Oui, et pour ça... Je suis d'accord. C'est pas contradictoire, Léla. Oui, c'est normal, dans l'environnement de maintenant. Non, je veux dire, est-ce que c'est pas contradictoire finalement? Non, c'est pas contradictoire. Je parle devant un fiscaliste. L'environnement économique de 2019 nous engage vers certains projets de court terme. La CAN. Faut dire. C'est un investissement. Laisse-moi venir. Quand je parle de la CAN, je vois donc derrière la CAN les structures d'accompagnement, les hôpitaux, tout ce qu'il y a comme route, etc. Des premières ordres. Hein, parce qu'on ne peut pas ne pas. Et c'est pour ça que, et dans le cadre de cette consommation, si l'environnement de maintenant, de court terme, n'était pas visible, on n'aurait pas cette consommation de 2200. Donc j'ai dit, mon problème était aujourd'hui de te dire que la structuration de projet prévoit effectivement cette relance de la consommation à travers cette épargne. Le payer la dette intérieure permet la relance. Même si vous faites comment, ça va relancer. Je pense aujourd'hui, et c'est là où je suis d'accord avec le professeur, que il faut, dans la diversification, les lignes données par ce projet de budget, il faut que l'État veille. C'est parce que, regardez, l'État ne veille pas, nous avons dit, on ouvre encore le champ vers la corruption. Ces inspecteurs qui deviendront encore plus que jamais, nous avons parlé de blanchiment tout à l'heure. La question, c'est est-ce que l'État veillera effectivement? L'État doit. L'État doit. On ne peut pas faire. Les expériences précédentes, l'État ne fait mais, rien. Mais à un moment donné, à un moment donné, vous n'allez pas dire que c'est que le. Non, à chaque non, non, toi tu es dans la politique. Non, mais c'est pas là. Mais ça fait partie de la politique. Attends, Joe. Il faut une politique budgétaire. L'économie, c'est dans la politique. Oui, jamais. Mais tu rentres dans les élections, jamais. Je te vois venir. L'expert a bien précisé aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait le retour dans le cadre donc de cette étude de retenue que les entreprises font. Quand il dit des entreprises, ce sont des entreprises qui retiennent des milliards de francs de l'État. Ce n'est pas les 50 000. Oui, mais ce qu'ils préconisent, ce n'est pas justement ce qui a été inscrit dans la loi de finances. Nous sommes en projet et on nous suit. Donc on peut réorienter. C'est pour ça qu'on est venu faire le débat. Mais nous sommes venus faire les débats pour ça. Pour qu'ils nous suivent. Pour qu'ils comprennent. Vous pensez que les députés qui sont à l'Assemblée nationale en ce moment vont amender certains. Attendez, vous voulez dire qu'autour de la table, ce qu'on est en train de faire, ça va passer, ça va couler. Il faut être exhaustif dans ton analyse. Oui, mais je suis. Tu ne l'es pas. Non, tu vois le problème par le petit bout de la lorgnette. Tu vois dans tous les sens. Non. L'État est un très mauvais. Laisse-moi. Est un très mauvais créance. Oui, mais Célestin, toi, tu ramènes tout aussi à la poussée. Non, mais ils sont dans la loi de finances de l'État, de la nation. Les possibilités, le projet, là, la situation du budget, tout ce qui reste à faire, et c'est là où je dis, je partage l'avis maintenant du prof, c'est que l'État doit veiller pour que ce qu'ils ont dit, qu'ils puissent l'atteindre. Et c'est ça qui va nous permettre de faire, donc, de tendre vers cette croissance de 4. Allez-y, Denis, comment? Bon, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a... des hommes d'affaires et des petits porteurs qui nous suivent au quartier. On n'a plus que 5 minutes. Et l'État, on vous dit que l'État veut. On parle de 1 000 milliards, 1 050, n'est-ce pas? Ok. De la dette de plus intérieur. Ok. Il y a la contrainte par. On a pensé à la contrainte par corps pour amener celui qui retient l'argent à payer. Lorsque vous allez payer 2 millions d'impôts à la fin du mois et que vous ne l'avez pas fait, vous allez payer 4, c'est ça? On va payer 4. Les pénalités. Bon, disons moins quand même. Ok, ok. Alors, en même temps, l'État peut vous devoir de l'argent pendant 3-4 ans. Et il n'y a pas de justice fiscale. L'État est un État, notez le mot en majuscule, prébendier.
L'État qui cherche à avoir les recettes et qui ne cherche pas comment faire. Bon, mais pour l'État, que... quand vous parlez de l'État, ne parlez pas du Cameroun, mon parti. Oui, non. Oui, bien sûr. Parce voilà. que l'État voilà, que voilà, on s'est organisé, on dit, on va recouvrer, on cherche à recouvrer. Mais on ne dit pas que Monsieur X qui vend, voilà comment est-ce qu'on va lui permettre de vendre plus pour payer plus d'impôts. Il faut travailler à cela. Je crois que c'est ce qu'il faut travailler à ce que nos hommes d'affaires, nos opérateurs économiques, nos commerçants vendent plus pour pouvoir payer plus d'impôts. Et ce ne sera pas tout. Ils vendent quoi? Et je suis d'accord que ce n'est pas de la brocante qu'on va vendre. On ne peut pas développer un pays en vendant la brocante. C'est pour ça que je suis d'accord avec la mesure sur la brocante. Je suis d'accord. On disait que allez regarder ce qu'on consomme, les produits de première nécessité, c'est quoi? C'est le plantain, c'est le macabo, c'est tout le mongo chobi, tout ce que les gens produisent localement et mangent là. Comment est-ce qu'on va amener? Il faut qu'on peut contrôler les prix. Mais le matin, il faudra qu'on mange les beignets, il faudra qu'on mange le plantain à midi, le soir. Qui contrôle le prix de ces produits si on n'a pas essayé de faire beaucoup de justice sociale, même au niveau, n'est-ce pas, de la taxation des entreprises. D'où la voie de l'industrialisation. Absolument. Donc, tant qu'on va transformer les produits, nos recettes doivent venir de la production. Et ce budget déclenche déjà. C'est le Saint-Germain. Je crois qu'Edouard Fouchivé a manqué d'objectivité dans son analyse. Ah bon? L'État, oui. L'État est un très mauvais débiteur. L'État ne paye pas ses clients. Je prends un cas très simple. On a aujourd'hui, dans une ville comme Douala ou Yaoundé, dans la méga poubelle, même pas des métropoles, des méga poubelles. Pourquoi? Isakam ne peut plus s'équiper normalement parce que l'État lui doit 42 milliards. Je veux bien qu'Isakam paye ses impôts. Mais si, en retour, l'État ne paye pas ses dettes aux entreprises qui ont une forte prégnance sur le plan social, ça pose un véritable problème. Donc voilà un sujet. Maintenant, je vous dis, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en vérité, il y a trois écueils dans la définition de la politique économique. On sait très bien que souvent, quand on vote des budgets sur les plans d'investissement public, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en cours, les projets en général ne sont pas très matures. On fait n'importe quoi. On prend le cas de Lompanga et de Mekin. En soi, c'est des bons projets. Mais ça n'a pas été suffisamment pensé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces projets ne sont pas opérationnels. D'une part. D'autre part, souvent quand les projets sont lancés, il se passe quoi? Il se passe que les délais sont prolongés. Ça va de 2 à 3 ans, exprès, de 7 à 10 ans. Et même, il y a surenchère. Cet esprit. Non, l'État fait ça exprès. Merci. C'est ça qui doit changer. Ça fait, mais ça doit changer depuis 30 ans. Merci, monsieur. Et surenchissement, parce qu'en vérité, on dépense 20 milliards de budget, ça devient 100 milliards. Je prends le stade, par exemple, d'Abidjan, le stade de qui a la même capacité, 63 milliards. Au Cameroun, on a multiplié par je ne sais pas combien. Je savais. Alors même que c'était. On va permettre au docteur Alaka de dire un dernier mot sur cette loi de finances et on termine l'émission. Ce projet de loi de finances. Oui, c'est un projet. On va le couper, mais bon, moi, je crois que... Il n'y a pas de problème. Oui, et on sort de l'émission. Et puis, c'est mon grand ami. Hein. À plus. Ah, ouais. Vous allez voir quand on va sortir là. Ah, d'accord. Allez-y. Non, mais moi, je crois que cette émission devrait permettre à nos parlementaires, ou même encore au gouvernement, de revoir la copie. Telle qu'elle est là, elle n'est pas bonne. Sur le plan social, elle n'est pas bonne sur le plan économique, même si je reconnais qu'elle peut être bonne sur le plan financier. Mais ce n'est même pas seulement le plan financier qui conditionne une économie. Voilà. Merci, docteur Alaka, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Célestin Djamène. Merci, Edouard Fouchivé. C'est un plaisir. Merci, Denis. C'est vrai que pour que je vienne maintenant, c'est un peu dur. Donc s'il est là, tu viens passer du temps. Ah non, on s'est compris. Merci, Denis Kwebo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si Dieu le veut, bon dimanche. STV, votre télé.